أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Nous remercions Allah, le Créateur des cieux, le Créateur de la terre, le Créateur des êtres humains, le premier sans commencement, la fin sans terminaison. Allah, il est celui qui a créé toutes choses. Il est celui-là qui crée avec cause et il est celui-là même qui crée sans cause. Allah, il est différent de tout ce qui existe. Et tout ce qui existe est différent de lui. Allah, il est avant toutes choses. Et Allah également, il serait après toute chose. Allah, il est celui qui a créé la mort. Lui-même, il ne peut pas mourir. Allah, il est celui-là même qui a créé les êtres humains. Allah n'est pas un être humain. Allah, il est celui-là même qui a créé les anges. Allah n'est pas un ange. Allah, il est celui-là même qui a créé les corps. Allah n'est pas un corps. Allah, il est celui-là même qui a créé les esprits. Allah n'est pas un esprit. Tout ce qui existe est différent de lui. Et lui est différent de tout ce qui existe. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui dans le but de guider l'humanité tout entière à la volonté d'Allah. Alhamdulillah, on est musulmans, on nous appelle les fils de l'islam, on est chez vous ici à Zouenoula. Pourquoi? Pour vous appeler à l'islam. Pour vous rappeler l'islam. Ok. Donc on est là, c'est pour vous rappeler le but de votre existence. Pourquoi? Parce que Allah, il est unique. Allah, il est unique. Cela veut dire que Allah, il n'a pas d'associé. Allah, il est unique. Ce qui veut dire Allah, il n'a pas de compagne. Allah, il est unique. Ce qui veut dire Allah, il n'a pas de semblable. Allah, il est unique. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Allah, il est unique. Ça veut dire qu'il n'a pas d'égal. Allah, il est celui-là même qui a créé toutes choses à partir du néant. Allah n'a pas de parents. Allah n'a pas d'enfants. Allah, il n'a pas de compagne. Allah n'a pas besoin d'intercesseur. Allah également, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah également, il n'a pas de limite. Allah également, il n'a pas d'avant et il n'a pas d'après. Allah également, il n'a pas de lieu. Allah, il est celui-là qui a créé le temps. Lui-même, il est en dehors du temps. Allah, il est celui-là même qui a créé la terre, le ciel. Lui-même là, il existe sans endroit. Allah, il est celui-là même qui a créé la direction, à savoir devant, derrière, à gauche, à droite. Mais lui-même, il existe sans direction. Donc, chers frères et sœurs, on vous présente le Créateur des cieux et de la terre. Il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur incréé. À part lui, il n'y a pas une autre divinité qui a créé quoi que ce soit. Toute autre divinité que vous adorez en dehors d'Allah, ce sont simplement des créatures. Et c'est pourquoi on demande à la population de sortir, parce que quand on va commencer tout à l'heure, en tout cas on ne pourra pas s'arrêter. Donc il ne faudrait pas qu'on commence, et puis toi tu vas rater. Voilà, ce qui va se passer aujourd'hui là, en tout cas on ne doit pas te dire ça. Il faut que tu sois là pour voir. Bah, si on vient t'expliquer, tu ne vas pas comprendre.
Donc on demande à la population de se nous la de sortir. Il y a longtemps, les gens ont dit, ouais, les musulmans, ils ne peuvent pas parler. Ils disent, non, ceux-là, ils prêchent en djoula seulement, ils prêchent en arabe. Allah a facilité aujourd'hui, là, on est là. Si on peut parler, si on ne peut pas parler, là, vous-même, vous allez savoir. Ils disent, non, les musulmans, là, quand vous partez dans l'école coranique, allez-y dans l'école française aussi. Il n'y a pas de problème, on est là. On va voir si on est allé dans l'école française ou bien on n'est pas parti. Parce que vous avez des professeurs ici. On va voir. Donc, chers parents, on vous demande de sortir parce que ce soir, on va parler de notre Créateur. Nous tous, on est à genoux là ici, oui. Tout le monde sait qu'il y a un seul Créateur qui existe. Mais c'est qui? Qui est le Créateur? Donc, sortez, sortez. On a mis les chaises là, c'est à cause de vous que ces chaises là sont ici. Si tu es musulman, faut venir t'asseoir. Tu es féticheur, faut venir t'asseoir. Même si tu es sorcier, faut venir nous te délivrer. En tout cas, peu importe ce que tu es, faut venir. Aujourd'hui là, tu serais délivré. Parce que c'est la parole d'Allah. Allah, il a dit dans le Coran, sourate 17, verset 81, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Allah il dit, faut leur dire, en vérité là, l'islam est apparu et le mensonge a disparu. Car le mensonge est destiné à disparaître. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'islam. Ils ont essayé de dénigrer l'islam pour que les gens ne deviennent pas musulmans. Parce que si vous devenez musulman, en tout cas, ça va chauffer sur les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des maquis ici. Si vous devenez musulman, vous n'allez plus boire l'alcool. Eux, ils vont gagner l'argent comment? Il y a des gens qui font élevage de porcs ici. Eux-mêmes là, ils vendent porc. Si vous devenez musulman, vous n'allez plus manger porc. Donc eux maintenant là, ils vont faire comment? Vous voyez, c'est à cause de ça les gens sont contre l'islam. Parce que c'est que eux ils prennent plaisir dedans, vous venez, vous dites non, arrêtez ça. Pourquoi? Parce que Allah interdit. Et il y a d'autres qui ont le courage de dire, mais vous parlez de Allah, vous parlez de Dieu là. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Venez aujourd'hui, vous serez enseigné. Si on peut le voir ou bien si on ne l'a jamais vu là, on saura. Ah, il y a d'autres qui disent qu'ils ont déjà vu leur Dieu, mais vous les musulmans là, est-ce que vous avez déjà vu pour vous là? Venez aujourd'hui, on va voir si on peut voir Dieu ou bien on ne peut pas le voir. Venez aujourd'hui, on va voir si Dieu est un être humain ou bien ce n'est pas un être humain. Venez aujourd'hui, on va voir qui a créé le ciel et puis la terre. Parce qu'on n'est pas à Paris comme cela et puis on est venu voir le ciel était là. Il y a quelqu'un qui a créé, c'est qui? C'est ce qu'on va vous enseigner par la grâce d'Allah. On a lancé défi à tous les hommes de Dieu qui disent que l'islam n'est pas la vraie religion. Depuis matin, on est là, on lance défi jusqu'à actuellement, il est 20h. Tous les hommes de Dieu de Zenoula qui disent que l'islam n'est pas la vérité là. Voilà, ici, ils sont là, ils n'ont pas sorti. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Tous ceux qui disent que ce sont des prophètes de Dieu, aujourd'hui 2022 là, Aïe Samari, il n'aura pas sorti. Lui qui vous a envoyé là, vous allez nous dire c'est qui. Il y a des gens qui disent qu'eux, ils peuvent ressusciter cadavres. C'est-à-dire tellement ivoirien même, ils n'aiment pas travailler. Chacun est devenu paresseux. Donc comme vous êtes devenu paresseux, vous ne voulez pas travailler. Les gens se lèvent matin, midi, soir. Moi là, je suis devenu prophète. Ouais, je suis devenu prophète. Moi, je peux faire, tu vas gagner travail. Je peux faire, tu vas aller en France. Je peux ressusciter cadavres même. Ah les gars, prenez-nous au sérieux. Prenez au sérieux. Quelqu'un qui dit lui peut ressusciter cadavre. Vous-même regardez, quelqu'un qui est aveugle. Depuis l'aîné, il est aveugle, il ne voit pas clair. On fait un miracle, le gars il voit clair. On lui demande ça à quelle couleur, il dit c'est rouge. On dit ça à quelle couleur, il dit bleu. Mais toi tu ne vois pas clair. Tu as vraiment pour savoir que c'est bleu. Depuis que tu es né, tu ne connais pas couleur. Et puis toi tu sais que ça là c'est bleu, ça là c'est vert. Ah Joe, prenez au sérieux. On a dit quoi? Vous-même regardez, quelqu'un qui est mort, on le ressuscite. Et puis lui veut manger. Ah. Tellement ils ne nous prennent pas au sérieux. Quelqu'un qui est mort, il est ressuscité et puis lui veut manger. Ah Dieu. Attends, Tchamfo. Ça c'est mort vrai, vrai. Le gars, il a faim. Les frères, arrêtez ça là. Prenez-vous au sérieux et les gens vont vous prendre au sérieux. Bah, si vous vous amusez, ils vont jouer de votre ignorance. Ils vont se nourrir de votre ignorance. Ça, tu peux passer ici maintenant. Ouais, il vient pour passer.
Excusez-moi, je ne sais pas quoi lancer. J'ai fait l'introduction depuis que je viens de dire. Attention, hein. Vas-y frère. Aouz billahi mina shaitan rajim. Bismillahir rahmani rahim. Va d'abord. Assalamu alaikum ala rasulullah ala rabbil alamin. Soyez ici. Population de Zionoula. Sokura, Texas, commerce, petit Zionoula, vous êtes tous invités. Inchallah. Quartier Avionso. Musulmans chrétiens. Athées, bouddhistes, féticheurs, animistes. Sorciers même. Faut venir. Faut venir. On est là. Pas religion aussi, faut venir. Faut venir, tout est contrôle, le vaudou, kesha, kesha, on va tout ici, on va te délivrer, Inch'Allah. En tout cas, toi, tu es possédé même. Nous sommes musulmans. Nam. Nous vous appelons à devenir musulmans. Notre Dieu, il s'appelle Allah. Oui. Il est le Dieu du musulman. Nam. Il est le Dieu du non-musulman. Il est le Dieu du chrétien. Il est le Dieu du féticheur. Il est le Dieu des sorciers. Il est le Dieu de l'animisme. Il est le Dieu des bouddhistes. Il s'appelle Allah. En islam, le Dieu n'a pas d'image. Non. Le Dieu, il est unique. Notre Dieu n'est jamais venu sur la terre en forme humaine. Comme mon frère le disait tout à l'heure, non. Chers parents, chères populations de Zionoula, oui. Avant de rentrer dans le but de nos sujets, non. On va vous adresser le salut des hommes pieux. Écoutez. Le salut des hommes du paradis. Le salut des hommes qui craignent Dieu. Oui. Le salut des hommes qui vont habiter le paradis. Le salut des hommes qui s'aiment. Allah. Sans nationalité, Nam. Sans ethnie, oui. Sans divergence politique. Allah. C'est le salut qui existe dans la Bible. Et dans le Coran. C'est le salut qui existe dans le Coran. Nam. C'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit avec vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, après d'avoir vous adressé ces salutations de bénédiction, Nam. Population de Zerula, vous êtes invités à venir prendre place. Nam. Car les chaises qui sont déposées, c'est déposé pour vous. Nam. Venez, on va échanger. Venez, chacun de nous cherche la vérité. Tout le monde à la recherche du véritable Dieu. Oui. Qui où se trouve le véritable Dieu? Nam. Nous les musulmans, nous disons, nous sommes dans la vérité. Le chrétien aussi dit, il est dans la vérité. Le bouddhiste dit, il est dans la vérité. Le judaïsme dit, il est dans la vérité. Même le féticheur dit que lui, il est dans la vérité. Aïe. Il y en a qui disent que, mais qui est parti voir Dieu et puis il est venu? Mais pour te répondre simplement à ceux qui posent ce genre de questions, c'est pas difficile à te répondre. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a dit qui a une fois vu Dieu et puis il est venu, très simple. Lui-même là, nous tous, on a fait 9 mois dans le ventre de nos mamans. On chiait, on pissait, on mangeait là-bas, on tombait malade. Donc, le temps que tu as passé dans le ventre de ta maman là, viens expliquer ça, les 9 mois que tu as fait là-bas. Donc, chers parents, chère population, voici la réponse à cette petite question. Mais bref, pour dire quoi? Personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Non, non, non. Donc, Dieu, on ne l'a jamais vu. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de nationalité. Il ne peut pas être un homme. Non. Il ne peut pas être une femme. Puisque si Dieu devient homme, les femmes vont se révolter. Si Dieu devient un homme, les femmes vont poser droit au lit à droit des femmes. Elles disent que les garçons et les femmes ont la même chose. C'est pas ça? Donc, si Dieu est femme aussi, automatiquement, il y a problème. Mais bizarrement, population de Zionoula, peut-être même si vous n'en savez pas, mais allez-y à Abidjan, il y a un Dieu Baoulé qui est venu à Abidjan. Vous voyez? Donc ça veut dire que, vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Parce que les musulmans, depuis tant, on est assis dans les mosquées. En tout cas, Zionoula ici pour vous est grave. Nous, on a dit à Dieu à Abidjan là-bas. Si c'est bizarre, nous, on allons au paradis pour vous laisser. C'est ça, de... Vas-y, frère. Donc, depuis là, on est resté assis là, ils sont en train de parler. Et chaque chose a son temps. Le temps des musulmans est arrivé pour que nous, on déplace la mosquée pour venir dans les carrefours. On déplace la mosquée pour aller dans les marchés. On déplace la mosquée pour venir au Gwemba. Allons-y, frère. Lui qui n'a pas tout ce qu'on va dire ici là, Nam. On ne le dit pas parce que, parce que c'est qu'on pense, mais ce qu'on dit là, on le pense bien. Avant de le dire. On ne dit pas ce qu'on pense, mais on pense plutôt ce qu'on dit. Allons-y, frère. Donc, chers parents, chers populations, venez, on va écouter. Non. Venez prendre place.
Tout le monde est invité. Vous êtes la bienvenue. On va échanger fraternellement. C'est à cause de vous, on a mis les chaises là-haut. Ici, ce n'est pas un forum politique. Non, non, non. Ce n'est pas un forum djemé-djemé. On parle du paradis. On parle du paradis. Venez vous asseoir, venez. On va commencer tout à l'heure. Inch'Allah. On n'a pas encore commencé ça, on appelle ça échauffement. Échauffement. Quand on va commencer, vous-même, vous allez voir. Depuis le matin, on est dans une là. Venez à vos cahiers, vous allez noter les versets. Notez. Aujourd'hui, les versets vont pleuvoir. Vas-y frère. Le vrai Dieu, il s'appelle Allah. Qui n'est pas d'accord? Ça s'écrit A, L, L, A, H. Ça fait 5 lettres. Donc l'islam est posé sur 5 piliers. Nous avons 5 doigts. Vous voyez? Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier messager. Il est né d'Aminata. Son papa, c'est Abdoulaye. Lui, son papa, c'est Abdul Muttalib. Lui aussi, son papa, c'est Quraysh. Quraysh, son papa, c'est Adna. Adna, c'est ce qu'on appelle Kedar. Kedar est qui? C'est le fils d'Ismaël. Alayhi salam. Alayhi salam. Et Ismaël, c'est qui? C'est le fils d'Abraham, alayhi salam. Père et bénédiction sur lui. Non. Abraham adorait Dieu. Il cherchait Dieu partout. Il a regardé la lune. Il dit, c'est mon Dieu. Oui. Quand la lune a disparu, il dit, non, 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 mon Dieu ne disparaît pas. Ça, c'est quel Dieu, ça? Il a regardé le soleil. Le soleil a disparu. Il dit, non, mon Dieu ne disparaît pas. Il a regardé les étoiles. Les étoiles ont perdu. Les étoiles sont disparues. Il dit, la lune, il dit, mon Dieu ne disparaît pas. Donc, il a commencé à adorer Dieu. Il a cherché Dieu. Il dit, le Dieu là, il est là. Non. Lui ne meurt pas. Il est le vivant. Il est le commencement parce que lui-même, il n'a pas de commencement. Il est la fin parce que lui-même, il n'a pas de fin. Donc, Abraham a cherché Dieu et il a adoré le Seigneur. Le Seigneur l'a choisi comme son ami. Allah. Et comme le Seigneur l'a choisi comme son ami, il lui a montré le royaume des cieux. Et il a signé un pacte avec lui. Il dit, je suis ton Dieu. Non. Je serai le Dieu de ta postérité. Après le oui. de tes descendants, de leur génération en génération, je suis leur Dieu jusqu'à perpétuité. Aujourd'hui, les gens viennent nous présenter d'autres dieux qu'Abraham n'a pas connus. Alors, tous les prophètes, non. Tous les prophètes oui. Depuis Abraham, tous les prophètes descendus depuis Adam. Non, parlons d'Abraham d'abord. Bon, ok, allons-y. Voilà, depuis Abraham, parce que Dieu a fait l'alliance à Abraham, il dit, c'est de ta postérité que je vais sauver la population de la terre. Alors, et depuis cette promesse-là, tous les prophètes descendus d'Abraham, non. On a eu d'abord Isaac, Jacob et Esau. Jacob a eu 12 fils. Et les 12 fils de Jacob, il y avait Judas dedans. C'est eux qui ont formé les tribus d'Israël. Et dans les tribus d'Israël, il y a eu les prophètes qui sont passés dans chaque tribu. Non. Il y avait 12 tribus. Maintenant, la dernière tribu, oui. Qui était la tribu de Judas. Même comme les Juifs, eux, ils étaient là, ils ont commencé à désobéir, ils ont commencé à déshonorer, ils ont commencé à tuer les prophètes. Oui. Dieu dit, bon, je vais renouveler l'alliance avec les enfants d'Israël. Jérémie 31-31. Je vais susciter un autre prophète. On a commencé, hein. Je vais susciter un autre prophète. Allons-y, frère. Descendant de Mohammed et de Jésus, de Judas, pour sauver qui? Son peuple. Quel peuple? Le peuple Israël de leurs péchés. Donc, Dieu va faire venir Jésus-Christ. Alayhi salam. Comme un prophète. Il dit, je t'envoie mes prophètes aux enfants d'Israël. Allons-y, frère. Donc, quand Jésus est venu, à 30 ans net, Père Besson sur lui, il a commencé à annoncer le message de Dieu. Il a appelé tous les Juifs à croire en lui et à s'aimer, à laisser les divergences. Donc les musulmans de ce jour-là, laissons nos divergences. Tu es Tidjanitou, tu es Salafio, tu es Kadriao, tu es Amsaro, tu es Warabito, tu es de n'importe quel secteur religieux. Hein? Mon frère, ma soeur, nous sommes tous musulmans. Donc Mouhammad, Jésus-Christ, Père Besson sur lui. Il a appelé les Juifs à un seul rassemblement. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont cherché à le tuer. Et bien, il dit, oh, vous les Juifs, moi qui suis venu vous dire la vérité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme. Alors que votre père Abraham ne l'a pas fait. Non. Mais la mort que vous cherchez à me donner là, ça c'est l'œuvre de Satan. Aujourd'hui, les gens viennent dire que c'est l'œuvre de Dieu.
tu as quitté où? Jésus dit pour le tuer là, si tu cherches à le tuer, c'est que toi tu as fait travail de Satan. Lui sa mort là, c'est travail de Satan. Mais les gens disent que Satan Satan là, ça a pardonné le péché. Donc c'est Satan qui toi te sauve. C'est Satan qui te sauve. Pour rester à genoux là ici, il ne faut pas mourir. Hein. Donc, quand Jésus il devait partir, il dit, oh vous les juifs, j'ai essayé de vous rassembler comme une poule qui a voulu rassembler ses poussins. Non. Mais comme vous n'avez pas voulu, ok, moi ma mission est finie, je vais partir. Si je ne m'en vais pas, le dernier prophète ne va pas venir. Mais j'ai pris le Père pour que le Père vous envoie un dernier prophète. Et le prophète là, il sera le prince du monde, il n'a rien avec moi. Donc le dernier prophète est venu, Allah 610, il dit, oh vous les hommes, je suis le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Je suis venu à vous tous. Et puis il dit encore, je suis l'annonciateur et l'avertisseur à toute l'humanité. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'annonciateur à toute l'humanité. Il dit le Dieu, il s'appelle Allah, sourate 21, verset 100. Surat 21, verset 108. 108 ans. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul dieu, il s'appelle Allah. Non. Donc ce dieu-là, Mohamed l'est venu. Dieu dit, je vais mettre mes paroles dans la bouche de ce prophète-là. Parce que Jésus dit, le prophète qui va venir, il ne va pas parler de lui-même. Non. C'est Dieu qui va mettre ses paroles dans sa bouche. Oui. Et Dieu a dit à Mohamed, dis aux hommes de genoux-là, dis aux gourous, dis aux baoulés, dis aux agnis, dis aux didas. Dis aux bêtés, aux sénifaux, laissez vos condros, laissez vos wamblés, laissez vos djets, laissez vos zaoulis, laissez vos zamblés, laissez vos bolis. Tout cela adore quoi? Allah. Donc il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul hu Allahu ahadu. Nam. Allahu samadu. Lam yalid, wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Nam. Il dit, dis-le Muhammad, moi Allah je suis unique. Tout le monde m'invoque. Je n'ai pas d'enfant. Et moi aussi, je ne suis pas enfant de quelqu'un. Ton Dieu est enfant de quelqu'un. Et alors, c'est grave. Alors qu'il y a des gens qui ont Dieu qui ont été accouchés. Subhanallah. Allons-y, frère. Donc, il dit, lui n'est pas enfant. Il n'est pas enfant. Il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Ouais. Donc, Allah, Allah est le Dieu. On ne peut pas le voir. Il n'est jamais né. Donc, il dit, lui, Allah au Samadou, l'ami Alid, voilà mi Olad, voilà mi Akulla au Koufouan Ad, et dit rien ne le ressemble. Allah. Tous les prophètes sont venus. Exode 9, à partir du verset 18. Rien sur la terre comme dans le ciel ne ressemble à Dieu. Wow. Exode 8, à partir du verset 13, descend. Rien ne ressemble à Dieu encore. On dit Dieu ne peut pas être un homme. Oui, Dieu n'est pas un homme. Donc, chers parents, chère population, nous sommes venus vous présenter ce Dieu-là. Toute personne qui n'adore pas Allah, mon frère, il faut rechercher à connaître Allah. Le gourou dit Bali, Baoulé dit Nyamien, Bété dit Lagon, Sénifo dit Kulutro, Gula dit Massaba. Donc, chers parents, chère population, vous êtes appelés, invités, venez prendre place, les chaises, là, c'est pour vous. Venons, on va échanger fraternellement. Est-ce que nous, les musulmans, nous sommes dans la vérité? Nous vous disons oui, parce qu'on a étudié beaucoup de religions. On a étudié christianisme, on a étudié judaïsme, on a étudié bouddhisme, on a étudié ekankarisme, le salafisme, le shintoïsme, l'hindouisme. On a vu qu'il y a la vérité en islam. C'est pourquoi nous sommes devenus musulmans. Et l'islam, c'est la vérité. Quand l'islam vient naître là, ceux qui sautaient à Goujouna ici là, donne ta vie à Grégoire. Grégoire est mort pour ton péché. Il est mort sur la croix à cause de toi. Si tu donnes ta vie à Grégoire, tu as mariage. Si tu cherches enfant, donne ta vie à Grégoire. Si tu cherches travail, donne ta vie à Grégoire. Si tu cherches un mari, donne ta vie à Jean-Paul. Qui t'a dit tout ça là? Donc, chers parents, chère population, on vous appelle, donne ta vie à Allah. Il y en a qui disent qu'il faut donner ta vie à Jésus. Hein. Or, Jésus n'a jamais dit à ses disciples, donnez-moi votre vie. Non, non, non. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ. Jean 14, 1. Donc, chers parents, chère population, Jésus a appelé à croire à l'unicité de Dieu. Moïse a appelé à croire à l'unicité de Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à croire à l'unicité de Dieu. Chers parents, chère population. Et ces prophètes, quand ils sont venus à la différentes communautés, c'était le message qu'ils devaient annoncer. Moïse a dit à son peuple, Deutéronome 6:4. Écoute Israël, oui. L'éternel, oui. Notre Dieu, oui. Est l'unique éternel. Ok.
Jésus-Christ aussi, quand il est venu, il a dit à son peuple. Marc chapitre 12, verset 29. Oui. Écoute Israël. Oui. Le Seigneur. Oui. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Est l'unique. Moi, ma sallallahu alayhi wa sallam. Aidez-vous les gens de journal là. Surah 112. Oui. Dit. Oui. Il est Allah l'unique. Qulhu Allahu ahadu. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tout le monde l'invoque. Il est Allah l'unique. Oui. Le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Exact. Il n'a pas engendré. Oui. Et il n'a pas été engendré. C'est-à-dire qu'il n'a pas accouché enfant. Lui aussi n'a pas été couché comme un enfant de quelqu'un. Non. Et nul ne lui est égal. Rien ressemble à Dieu. Non. Mais il y en a qui ont fauté de Dieu dans leur maison. Photographe les points. Hein? Ouais, c'est un dieu. Il y en a dans l'air, dieu là, c'est Canary. Et puis il y a Pilon, il n'y a pas un rouge. Il t'a payé quoi rouge et puis tu meurs sans juste ça. Ah mon ami, toi tu réfléchis quoi même. Question, hein. Il y en a là, c'est Marigot, ils adorent. Hey, musulman, ça a nagé. Il y en a là, lui, la cardinal à la maison. Boro. Hey. C'est gros comme ça, il y a beaucoup de chaînes là-dessus, même pro. Subhanallah. Il y en a là, c'est que, il y a Corrie, beaucoup, beaucoup là-dessus. Ok, là, c'est bouc. C'est à couper ça derrière Cabri. Donc Cabril, c'est Dieu qui a créé ça. Si Cabril a pouvait se sauver, tu n'allais pas trouver que là. Tu n'allais pas trouver que là, mon ami. Allons-y, frère. Alors que toi, un être humain, non. Moi, un être humain, oui. Quand Dieu nous créa là, et nous a donné, il a fait la différence entre toi et puis le wow-wow, entre toi et puis le maire, entre toi, on ne peut plus que le Cabri. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la raison pour que tu réfléchisses, pour que tu raisonnes. C'est l'intelligence et la raison qui te différencie de Cabri. Des chiens, des moutons. Pourquoi? Parce que sinon tu manges, le mouton mange. Donc, il a créé tout ça là, les animaux. Tout ce que les animaux font là, on fait la même chose là. Mais quelle est la différence? Question, hein? Notre intelligence fait qu'on porte habit. C'est pas faux. Quand tu veux manger, tu laves ta main, tu ne manges pas dans la poubelle. Mais regardez un homme qui n'a pas... Qu'il n'y a pas raison n'est plus en place. On appelle le la personne fou, par exemple, quand on enlève, lui il mange dans poubelle les chiens. Il mange dans poubelle les chiens. Parce qu'il n'a plus ça. Il peut chier, mais il joue avec son caca et ses déshabits se promènent. Parce qu'il n'y a plus raison. Voilà. Mais toi tu as raison. Oui. Quelqu'un vient te dire, Allah n'est pas vrai Dieu, et puis tu crois en lui. Quelqu'un vient te dire, quelqu'un vient te dire. Que lui, Dieu est venu lui parler, lui, là, que Dieu est descendu hier, il lui a parlé. Subhanallah. Pardon, si tu parles encore, la fin enregistrée, tu as le droit. Il t'a parlé encore, ou bien c'est temps, c'est une faux. Non, prochainement, si tu parles la fin enregistrée, tu as le droit de écouter. Il y en a même qui dit que même là, non, hein, qu'il faut pas. Si tu parles, Dieu donne-moi ça, attends, qu'il est en français, ou bien en bourreau, en dula. Il n'entend pas. Non, Satan va s'ingérer dedans. Donc, il faut utiliser la langue des anges. La langue des anges. Arrive, papa. Hein? On dit c'est comme ça les anges parlent. Vous les avez vus où? Ah! Regardez ça. Moïse, père Béjo sur lui. Allez, salam. Quand ils devraient adorer Dieu avec Aaron et ses enfants, ils ont fait ablution. Non. Ils ont enlevé chaussures. Ils ont mis leur front à terre. Oui. Et puis ils ont adoré Dieu. Qui sont ceux qui vont sur la terre ici? C'est les musulmans? En tout cas, pour être honnête, c'est les musulmans. Elles ont 40, verset 30 à 31. Moïse a fait ablution là-bas. Moïse a fait ablution avec Aaron. Allah. Jésus-Christ, père Béjo sur lui. Un prophète pur qui est né sans papa. Sa maman s'appelle Marie. On appelle en islam Myriam. On dit en Djoula, Mariam. On dit en Tagbizika, Mamou. Elle était mariée à Joseph, qu'on appelle Youssouf. Elle était fiancée à Joseph, qu'on appelle Youssouf. Et Youssouf et Marie, ils ne se sont pas connus comme... Comme il faut se goûter, comme il y a certains qui disent non, avant de marier, il faut goûter. Et puis Joseph, là, lui, n'a pas goûté Marie. Hein. Joseph n'a pas goûté Marie. Hein. Et puis quand Marie est tombée enceinte. Subhanallah, les frères. Comment un homme de Dieu peut venir donner enseignement ça là aux gens et puis ça crie Amen. Le docteur à l'hôpital, il dit non, fais ce que je te dis, hein, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Quelqu'un vient, il dit non, avant de marier, il faut goûter. Et puis tout le monde crie Amen. Est-ce que ça va même? Venez, on va échanger, venez écouter la parole de Dieu, venez prendre place, population de jeunes là, on va échanger fraternellement, nous sommes des frères. Donc, comme j'étais en train de le dire, Marie a accouché Jésus-Christ, et dit lui là, il sera un sauveur de son peuple. Quel peuple? Israël. Donc Jésus, et Jésus a grandi, il a commencé à prophétiser, il a commencé à prêcher, et il a dit, moi là, je suis le prophète envoyé seulement aux enfants d'Israël.
Lui qui n'est pas d'accord, il peut venir essayer aussi. Et dit le prophète qui va venir, qui sera envoyé à l'humanité tout entière là, il vient derrière moi, il est plus grand que moi. Lui qui n'est pas d'accord, il peut venir essayer aussi. Son nom là c'est Ahmad. Qui n'est pas d'accord, Souverain 61, verset 6. Verset 6. Allons-y frère. Et dit moi Jésus là, je suis venu confirmer la Torah. Nam, Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les supprimer, mais pour leur donner l'essence. Cela se confirme dans la Sourate 61, verset 6. Oui. Et au confirmateur d'un prophète après moi qui s'appelle Ahmad. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car oui. Il ne parlera pas de lui-même, oui. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. Allez-y, fouillez dans mon livre. Le Coran dit, Sourate 7, verset 157. Le prophète illettré qu'il trouve mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Oui. Mais cela est confirmé dans Ésaïe 29, verset 12. Allons-y, frère. On lui donne le livre à lui qui est illettré. On m'a dit il faut le lire. Il dit je ne sais pas lire. Écra, bismirabdikalazi halak. Quand là, Dieu prophète lit, il dit je ne sais pas lire. Allons-y, donc, frère. Le dernier qui est venu, on lui a donné au Coran, il dit je ne sais pas lire. Non. Il dit vous les hommes. Parce qu'il croit à la parole d'Allah. C'est Allah qui va lui dire de communiquer. Allah dit, va mettre ses paroles dans sa bouche. Donc, sur la sandoule dit, cool, Mohamed, dis-le. Donc, ce n'est pas lui qui a inventé. Il n'a pas imaginé. Il n'a pas dit ce qu'il pense. Mais c'est ce qui lui a été révélé qu'il dit. C'est pourquoi on dit, dis. Mohamed, dis-le. En groupe de fioré. Dieu n'a pas. Je Mohamed, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dit non, les musulmans là c'est les djoulas. Donc lui les djoulas quoi. Donc Mourtane qui est dans Boutou, regardez là c'est un djoula. Tu c'est un djoula toi-même. Ou bien le Sénégalais qui est à côté de l'agence Orange Money là c'est un djoula. Ou bien moi ici djoula. Moi non, non, pas non. Djoula, je suis pas arabe aussi, mais ici musulman. Mon frère. Allons-y frère. Moi mon cramotier, si vous voulez être djoula, c'est un djoula. Non, non, non. Donc chers parents, venons, on va écouter, venons, on va échanger. Non, je suis dans la et oui, mon nom. Et quand il y a un djoula, et dans la galerie du Tomaro, et quand on ferme tout le monde, et à Baliano, il y a les Bali Mouazaya, et il y a les noms Bali Bile. Mais Bali Bile, qu'est-ce que veut dire le Fils de Dieu? Bali Bile, vous le dites à Gileno, Miante, donc pas désiré, au Yélan Bali Bile. Tu t'es sur la voie de Dieu, on t'appelle le Fils de Dieu en goulot. Fils de Dieu, serviteur de Dieu, les frères. C'est la même chose. Venez prendre cours. Dis à Dieu, on va filer les Bali Dou. Dis à quoi on va les Bali Bile. Est-ce que Balia, Anna, Dieu dit n'a pas de femme? Bon, il n'a pas de femme. Il, oui. Il a eu un enfant là comment? Ah, question. Vous venez nous expliquer ça en tout cas. Il y a un présentant à 16h devant ancien Biao là. Il dit non, prenez Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais qui est Dieu qui est le fils unique? Quand il va demander à certains, il va dire Dieu là c'est Jésus. Fils unique c'est Jésus. Ah, tu sais chez nous là, il y a un coin pour les fous là à Benjamin. Oui. Il a dit fils là c'est Jésus, Dieu là c'est Jésus là. Il y a eu parti, lui a fini à l'avant. Mais mon frère, elle, il sait que Jésus est un enfant. Ah, Jésus est un enfant quoi? Jésus est un enfant dans la Bible? Pas dans le Coran. Non, Jésus est un enfant dans la Bible. Bon, il dit Jésus est un enfant dans la Bible. Le jeune homme défie à tout le monde qu'il vienne ici, je vais lui démontrer que Jésus est un enfant. Bon, venez, vous n'avez jamais. Alors qu'il n'a jamais fait, mais il a un enfant. Vous n'avez jamais fini, venez, va vous montrer aujourd'hui là. Venez vous montrer, Jésus est un enfant dans la Bible. On va vous faire une révélation aujourd'hui là. Révélation de révélation, nous là, c'est pas les anges qui nous ont parlé de. Voilà, c'est pas du papa, 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 papa. Feu. Non, non, non. Les vrais adorateurs de Dieu, ils adorent Dieu en vérité et en esprit. L'esprit. Jean 4, verset 22 à 24. Ok. Demandez, Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera, frappez, on ouvrira, cherchez, vous trouverez. Qui va frapper, qui va demander du pain et puis ils vont lui donner un serpent. Jésus dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, lui, ça va demander à Dieu, il dit, je vais pas mourir. Dieu dit, tu vas mourir bien. Ah, ah, est-ce qu'on peut faire ça? Mais il y en a qui ont dit que non, Jésus est mort pour les péchés. Donc, si lui, il était présent,
Le jour qu'ils ont attrapé Jésus, c'est l'ordre qui va le tuer là-haut. Et puis on lui demandait, entre Jésus et Pilate, tu vas dire à qui de libérer? Ils vont libérer qui? Bon, vous me regardez, Jésus qui dit non, quand il demande, on te donne. Lui, il s'en demandait à Dieu, puis Dieu dit à mourir. Nous-mêmes là, non, on fuit pour le laisser Dieu. Là, j'étais pas là, ah, nous mentir même. Ah, Jésus même là, c'est lui que. Bon, le président de Côte d'Ivoire actuellement, c'est Alassane Ouattara. Écoutez, les frères. Il vient à son fils vient, on le prend. Et puis il dit, Dieu, moi, je te connais pas, il faut partir là-bas. Et puis il dit, papa, papa, pourquoi tu me laisses dans la main des gens qui vont me tuer? Jésus dit, Dieu, tu m'as abandonné. Et. Subhanallah, son fils unique, Dieu l'a abandonné. Dieu abandonne son fils unique. Et puis quand on dit Dieu, c'est son fils unique qui est Jésus là, c'est un jus. Réfléchissez. Et puis Dieu a créé là, il n'a pas un fils, hein. C'est Jésus qui est son seul fils. C'est mauvais même. Allons-y, frère. Donc, population de Jérusalem, population de Sokoura. On n'a pas encore commencé. Venez prendre place. Venez prendre place. Aujourd'hui là, nous sommes là en train de parler de l'unicité de Dieu. Si ça il n'y a pas deux là. Dieux. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu, son chemin, le seul Dieu s'appelle Allah. Le son chemin. C'est l'islam. Non. Jésus dit Jean 14, 6. Je m'appelle, je suis le chemin, la vérité c'est prêt. Et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mon frère, il faut venir, si tu es prêt, j'ai passé ce cadre. Mon frère, il est là, on va le prendre rapidement. Voilà, on va le prendre rapidement. Tu peux gérer un peu la modération, non? Voilà. Il faut gérer la modération pour ne pas qu'il y ait un peu de. Il en a vous et puis le modérateur. C'est ton problème. Non, c'est une faute. Voilà, c'est pas un débat. Nous sommes dans nos forums. Non, c'est pas toi qui vas nous donner les instructions dans nos forums. Frère, c'est pas un débat. Voilà. Tu comprends? Écoute, c'est pas un débat. Il est notre modérateur pour ne pas qu'il y ait du désordre. Tu comprends? Voilà, là tu t'arrêtes pour ne pas que quelqu'un d'autre va venir rentrer. Tout ça, il va gérer. Vous ça, êtes un peu agressif en parole. Hein? On a compris. Bon, donne une parole agressive qu'on appelle cette blanc, on va corriger parce que nous sommes des humains, on peut faire des erreurs. Il y en a pas où. Non, donne une parole agressive qu'on a donnée. Ok. Quand tu accuses quelqu'un d'une faute là, tu lui montres la faute qu'il a commise. Donc tu viens, tu poses ta question, on va te répondre. Frère. Ok. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, salut aussi les auditeurs qui sont là. Oui. Ah. D'abord. Oui. C'est par rapport à ce que vous avez dit que Jésus a eu un enfant là. Oui. Voilà. La Bible, c'est pas un livre comme les autres livres là, qu'on ne touche pas. La plupart des grands imams, là, ils ont toujours Bible. Même il y a Bible dans les hôtels même, dans les prisons, tout ça. Voilà. Ça a été traduit dans toutes les langues du monde. Donc, vous allez nous démontrer comment Jésus a eu un enfant dans la Bible. Comment Jésus a eu un enfant dans la Bible? Montrez-nous oui. Où est la trace où Jésus a eu un enfant dans la Bible. On va à la lumière de la parole de Dieu. On va aider tous vos adeptes là à être clarifiés. Ok, d'accord. Excuse-moi rapidement. Est-ce que pourtant Jésus est Dieu? Jésus. Ah! Il y a trop de signes qui montrent que Jésus est Dieu. Merci. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Merci beaucoup. C'est pas un débat. Merci. Il a dit Jésus. Il a dit Jésus. Merci beaucoup, frère. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique, la Nagui. Le Fils unique, c'est Jésus. Donc, Dieu a un Fils qui s'appelle Jésus. Bien sûr. Donc, Jésus a un Fils qui s'appelle Jésus. Non. Non, non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui est arrivé un moment là, il faut interroger son niveau intellectuel. Voilà, arrêtez ces trucs là. Tu as dit Dieu s'appelle Jésus. Oui, oui. Tu as dit son fils s'appelle Jésus. Oui, oui. Donc, selon le contexte. Donc Dieu Jésus, il a un fils qui s'appelle Jésus. Dieu. Il a un fils qui s'appelle Jésus. Je peux me prononcer? Oui, allons-y, allons-y. Non, 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 non. Voilà. Bon, vous, je sais que vous êtes adeptes. Bon, c'est à moi qui parle. Il faut les aller. C'est pas mal. Ils sont là. C'est à nous qui parle. Je peux m'exprimer des mouvements. Faut me aller. Non, je peux m'exprimer avec pour le respect, tu ne dois pas me donner tout. Pour le respect, tu dois me regarder pour parler. C'est à nous de l'échange. Venons en cause aussi. Faut parler. Ok, d'accord. Faut parler. Faut parler. Faut parler. Poutine te regarde. Poutine te regarde. Il est ici, il te regarde en direct. Salut Poutine d'abord. Voilà. Depuis la Russie. Allons-y frère. Ouais, il faut nous expliquer maintenant.
Dans la doctrine chrétienne, nous croyons en Dieu qui se révèle en trois personnes. Quand on dit on croit en Dieu qui se révèle en trois personnes, c'est des temps. Dieu dans le temps, il s'est révélé selon la Bible, hein, selon le contexte de la Bible. Puisque vous parlez de la Bible ici. Selon le contexte de la Bible, au temps des premiers hommes, Adam et Ève, Dieu s'est révélé par Dieu le Père. Dieu le Père, le créateur de toutes choses. Et quand Dieu s'est choisi un peuple Israël, il s'est révélé sous le nom de Jéhovah. Jéhovah. Maintenant, pour Dieu s'est révélé par son nom, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu dans un contexte bien précis. Comme vous l'avez souligné, Jean le chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit. Donc Dieu s'est révélé par son fils pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Tout ce que tu as dit là, je suis d'accord avec tout. Maintenant, quand on dit le fils unique de Dieu là, c'est pour montrer ici l'expression de l'amour de Dieu. D'accord. Ah, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. D'accord. Donc, pour sauver l'homme, il fallait faire un sacrifice. D'accord. Et ce sacrifice-là, c'est la personne de Jésus. D'accord. Parce que son nom, Jésus, signifie l'éternel sauve, l'éternel délivre. D'accord. Et Dieu a donné Jésus-Christ qui est l'expression de son fils. C'est pour montrer la dimension, la profondeur de l'amour que Dieu a pour l'être humain que tu es. Qui est assis là. D'accord. Tout ce que tu as dit là, voilà. Je suis d'accord. Le fils de Dieu là, il s'appelle comment? Le fils de Dieu s'appelle Jésus. Maintenant, Jésus Dieu là, il s'appelle comment? Dieu, il est un. Dieu a aimé le monde. Dieu, il est un. Dieu a aimé le monde, oui. Il a donné son fils. Son fils. Le fils qu'il a donné là, il s'appelle comment? Le fils s'appelle Jésus. Maintenant, Dieu là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Donc Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Dieu. Jésus. Non. Si arrêtons tout ce que Dieu s'appelle Jésus. Non, arrêtons du son fils qui s'appelle Jésus. Selon le texte, okay, la maintenant, Bible est claire. D'accord. Maintenant, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Non, tout le monde a compris. Voilà. Maintenant, quand tu es rentré dedans, voilà. On va continuer. Tu as dit Jésus le Dieu, non? Allez. Est-ce que ça là, c'est un débat? Merci. Non, écoute, Jésus le Dieu. Hey. Il est Dieu, non? Je vais te montrer oui, que Jésus est compris. Dieu. Maintenant, vous allez voir des musulmans. Merci. Dieu va se révéler à eux. Il va merci, devenir chrétien. Merci, il n'y a pas de problème. Donc Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Il n'y a pas de souci. Jésus est Dieu. Oui, d'accord. Jésus est pleinement Dieu. D'accord. C'est pas un débat. D'accord. Maintenant, Marie, là, elle a accouché qui? Marie, elle a accouché l'enfant Jésus. C'était prédit par les prophéties. C'est pas messianique. Ce que tu as dit, c'est vrai. Marie a accouché qui? Elle a accouché Jésus. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Donc Marie a accouché. Jésus, elle a accouché Dieu. Oh, Marie a accouché Dieu. Oui, oui. Non, attendez. Vous allez vous convertir, vous n'allez pas croire. Attaque-vous. Tu m'attaques-vous. Allons. Maintenant, frère, Jésus là, qui l'a envoyé? C'est Dieu. Dieu a envoyé qui? Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Ouais, non, toi tu es fort. Attends, mon frère va essayer aussi. Attends, lui va essayer. Oh. Ah, je comprends aujourd'hui pourquoi ceux qui sont adeptes de Atagmi. Soumatagmi. Allons. Vous voyez qu'on est musulman, c'est très intéressant. Il a dit que Jésus est un Dieu, non? Un fils, non? Il a dit Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde. Allons. Il a donné son fils unique. Le fils unique est Dieu. Est allons, Jésus. Allons. Et Dieu est Jésus. Donc Jésus a un fils unique qu'on appelle Jésus. Non? Jésus Dieu. Jésus est Dieu. Il est un fils unique qu'on appelle Jésus. C'est ça, non? Mais est-ce que je peux répondre? Oui, tu peux répondre, mais je vais te poser une question. Comme tu dis les dieux là. Vous allez enchaîner en même temps sans que je m'explique. Tu veux poser une question, quoi? On ne sait pas poser une question. On t'écoute. Parce que on ne veut pas faire du coq à l'âne. Du tohu bohu. Merci. Donc nous. Il faut qu'on explique à ceux qui ne comprennent pas, qui ont des idées obscures, de les éclairer. Donc tu as expliqué que Marie a accouché Dieu là-bas. Non, reste tranquille. Tu as pris un test, non? Un test s'explique. Il a pris quel test?
Je ne t'ai pas encore donné. Est-ce qu'on a lu? Je t'ai posé. Non, je ne lis pas d'abord. Je t'ai demandé, Marie a accouché qui? C'est-à-dire elle a accouché Dieu, non? On a compris. Quelle est la source de tes vies? C'est la Bible, c'est un test. Non, Marie a accouché Jésus. S'il te plaît, Marie a accouché Jésus. Non, on n'a pas pris de test. Et ton modérateur, il est où ça? S'il te plaît, écoute-moi. On n'a pas pris de test. Tu as dit Jésus est Dieu. Moi, je t'ai posé une question simplement. J'ai dit Marie a accouché qui? Tu as dit Dieu, non? On n'a pas pris quand Marie a accouché Dieu, non? Donc Marie est la maman de Dieu. Nous, les chrétiens, on n'est pas comme ça. Nous, les chrétiens, là, Dieu nous a dotés d'une capacité de réflexion et de s'exprimer. Chrétien réfléchit aussi. Ça dépend de vous. Parce que déjà, vous affichez vos caractères. Donc, on se comprend. Il répond à quoi? Non, Marie a accouché Dieu, non? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc Dieu et sa maman s'appelle Marie. Bien sûr. D'accord. Maintenant Dieu et sa maman, là, qui a existé avant son ami? Dieu et sa maman, c'est Dieu qui a existé. Mais comment sa maman l'a accouché? Elle a accouché. Merci beaucoup. On va prendre une autre. Non, c'est pas merci. C'est quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bon, je vous explique. C'est un exercice que vous faites partout où vous promenez. Et malheureusement pour vous. Non, je m'explique. Tu as un problème. C'est un débat, non? Moi, je suis venu riposter. Non, c'est un débat. À quel moment on parle de débat? Quel thème? À quel moment on parle de débat? Oui, il faut parler. Ici, le contexte ici, là, c'est de prouver que Jésus est Dieu. Oui, il faut prouver. Voilà. Pour prouver que Jésus est Dieu, que Jésus est Dieu, là. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi d'abord. Non. C'est un forum. C'est dans le forum, mais on n'est pas obligé de t'accepter. Voilà, tu sais ça au moins. On se connaît. Voilà, on se connaît pas. Non, c'est sérieux, là, c'est vu. Non, on connaît déjà le caractère. Ici, là, on va te gros. Si tu n'as rien laissé, tu as laissé ta bête ici. Oui. Tu ne peux pas montrer un verset dans la Bible, là. Oui. De la Genèse à l'Apocalypse. Tu ne peux pas faire sortir un verset. Pardon. J'ai dit, oui. De la Genèse à l'Apocalypse. Non, tu as dit. On va te gros jusqu'à tu vas laisser ta bête partie. Gros, ça a dit quoi? Hein? Gros, ça a dit quoi? C'est-à-dire que tu ne peux même pas prouver. C'est un verset que Jésus est Dieu. Non, on va te donner tous les versets, ça va te prendre. Donnez-moi les versets. On va prendre Matthieu 23, verset 9 à 10. On va lire, et puis on va vérifier quelque chose. Prenez, lecture. Matthieu 23, verset 9 à 10. Nous, on n'a pas dit à l'école. Non, nous, on n'a pas dit à l'école. Nous, on n'a pas dit vers l'école. Non, il faut pas de toi, il dit aller à l'école. C'est ça, nous, on n'a pas dit à l'école, on n'a pas dit vers l'école. Il parle pas de toi. Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père, un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ah. C'est ça? Allons, verset 10 encore. Au verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. On peut s'arrêter là. Ouais, j'ai lu la lune. Matthieu 23, verset 9 à 10. Jésus dit, n'appelez personne père sur la terre, on a un seul père qui est dans le ciel. Et n'appelez personne directeur, on a un seul directeur qui est Jésus Christ. Qui est le père qui est dans le ciel? Non. Je vais vous aider. En français, puisque vous avez un problème avec la langue française, en français on dit... Interpiré de son contexte. L'école, c'est là, c'est mort. Non. En français, en littérature, là, on dit interpiré hors de son contexte est un prétexte. Tu nous parles ici, réellement. Maintenant, le texte que vous avez lu, là, c'est Jésus qui était en train de s'adresser à ses disciples concernant les leaders religieux. Je n'ai pas appelé les leaders religieux père. Un seul est votre Père, c'est le Père qui est dans les cieux. Puisque Jésus est venu dans ses propos pour révéler Dieu, pour révéler le Père. Il est venu faire la mission du Père. Donc il a dit, n'appelez personne Père, ça n'a rien à voir avec l'idée que vous voulez mettre. D'accord. Quand il a dit n'appelez personne sur la terre votre Père, là. Il a dit n'appelez personne sur la terre votre Père. Quand il disait ça, là, il était où? Il était Jésus, et dans son contexte environnemental, il était avec ses disciples. Il était sur la terre ou il était au ciel? Il était sur la terre. Et puis il n'appelait personne sur la terre. Il parlait des pharisiens. Si vous lisez bien
le chapitre là, il parlait des pharisiens, les docteurs de la loi. Il dit n'appelez personne sur la terre. Il est une personne, mais il n'est pas une personne. Il parlait à ses disciples, je sais, les leaders religieux. C'est-à-dire, au lieu de déifier l'homme, il faut donner la place à Dieu le Père. Lisez les cinq premiers chapitres. Faut lire ça et puis on prend quelqu'un d'autre. Parce que. On prend pas quelqu'un d'autre. Hey, mais on a déjà compris devant le. Non, bon, faut lire. On me prend. Non, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Comment la référence? Les frères, asseyez-vous. Faut prendre verset 42 là. Jean 8, verset 42. Non, pas au verset 42. Je prends les 5 premiers versets. Je dis, faut prendre Jean 8, 42. C'est un nouveau verset qui t'est donné. Là, il tremble. C'est normal, c'est une option. Il n'est pas dans la vie. Nous là, ça comme c'est là, au cas tu viens là, tu as tremblé. Le Saint-Esprit, viens le. Ouais, Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Non, nous là, on l'appelle pas notre Dieu, il est ici. Ici là, si tu rentres là, tu as tremblé. Là, tu commandes à vivre. Reste tranquille. Eh, s'il vous plaît, va prier sur lui. Satan, sors. Sors de lui. Sors. Alléluia. Alléluia. Attaque B. Les frères, attaque B. Somme attaque B. Alléluia. On est tous des frères. Suivez, on est tous des frères. On n'est pas des ennemis. Donc, à lever l'animosité dans les cœurs et puis dans les têtes. C'est pour dire ce qu'on est en train de faire là. Nous, on veut demain, si on s'en va là. Ah, le musulman va dire à son frère chrétien, ah, hier là, vraiment, on nous a gouré un voilà, pain ici, viens à manger. Le chrétien va dire à son ami, ah, vraiment, hier là, en tout cas, c'est chaud. Et puis vous mangez pain, vous avancez quoi. Nous, c'est ce qu'on veut, la cohésion sociale. Voilà, on est tous des frères. Allons dans le sujet. Maintenant, le verset que moi, je voulais te donner, non. Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit. Les cinq premiers versets, je vous demande pardon. Cinq premiers versets de quoi? Les cinq premiers versets de 42 là. Jean 8 là. Les cinq premiers versets. Jean 8, verset 1 quoi? Combien de premiers versets de quoi? Les cinq premiers versets. Le verset qui. Pour maîtriser un test là. On de commencer cinq versets avant. Tu commences celui qui vient avant et puis après. Ok, d'accord. En littérature, c'est comme ça. Ok, donc, là, c'est d'accord, comme ça. D'accord. On va commencer où tu veux. Ils avaient dit 42. Je vais commencer au 40 même, tu vas comprendre. Moi, écoutez très bien. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites comme votre père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Au verset 42, Jésus l'a dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, qui parle dans le verset là? C'est Jésus qui parle. Micro. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est juste. Donc Jésus n'est plus Dieu. Non, vous avez un problème. Écoute. Non. Écoutez, vous avez un problème. Non, on va s'exprimer. Vous avez un problème. D'accord. Jésus dit, moi, ok, non, vous tu avez parles toujours à nous ici. Problème. Tu parles à nous ici. Donc Jésus dit, Dieu l'a envoyé, c'est vrai. Jésus dit, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus selon le test. Donc Dieu a envoyé Jésus. Mais si Dieu a envoyé Jésus, c'est quel Dieu qui a envoyé Jésus? Je m'exprime. Oui, c'est quel Dieu qui l'a envoyé? Quand je vais m'exprimer, vous allez prendre le. Non, vas-y, on te coupe. Attends, je parle. Quand je vais m'exprimer, vous allez prendre le temps de m'écouter et puis de me laisser parler. Oui, vas-y. Voilà. Modérateur, faites ton travail. Ou vous ne comprenez pas, en se basant sur Jean le chapitre 3, verset 16 là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La nuance que vous avez, c'est que Dieu, d'abord on parle de Dieu. On parle de trois personnages, Dieu, Jésus, et puis on parle du monde. On parle du monde. Le monde, là, c'est un personnage, non. Dans ce contexte-là, on peut l'attribuer à un personnage. D'accord. Voilà. Quand on dit, d'abord, Jésus, je vous avais dit, Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu.
Et quand la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique, c'est pour montrer la dimension, la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quel enfant, mais c'est le Fils unique. D'accord. Nous tous, on connaît, quand on parle des uniques, c'est-à-dire le seul enfant. Donc Dieu a un seul enfant. Voilà. Selon le contexte là, c'est que Dieu veut ressortir pour montrer à la race humaine qu'il vous aime. Pourquoi? Parce que Jésus venait dans un contexte d'urgence. L'humanité était vouée à la destruction. Et Dieu envoya son Fils Jésus pour ne pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle. Merci. Et quand on dit... quand non, il faut parler ici, il ne faut pas écouter, parlez-vous. Allons-y, il faut parler, voilà. J'écoute. Donc on vous dit, Jésus est Dieu, Dieu a envoyé Jésus, dans ce contexte-là... C'est pas nous on a dit, hein. Mais c'est la Bible. Jésus dit, c'est pas lui, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est pas lui qui a décidé de venir, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'est ce que Jean aussi confirme, parce que la Bible ne se contredit pas. Donc Dieu a envoyé Jésus. Dieu a pris une forme corporelle pour se révéler à l'homme. Donc Dieu est venu lui-même. Écoute, c'est ça. Dieu a pris un corps, il est venu. Il a pris un corps humain pour se révéler à l'homme. Qui a créé l'homme? C'est Dieu qui a créé l'homme. Non, non, j'arrive. Voilà, voilà. Faut parler. Voilà où je vais arriver. Ne me coupez pas. Dieu a pris une forme. Poutine te regarde. Dieu a pris une forme humaine pour se révéler à l'humanité. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. On est tous d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, hein. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, là, c'est-à-dire les cinq sens. Les cinq sens. L'homme a la capacité de discerner la voix de Dieu. D'accord. L'homme a la capacité d'entendre Dieu. D'accord. L'homme a la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Si c'est ça, là, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Ça, on est donc, Dieu veut montrer, pas, contrairement à certaines religions, qui pense que Dieu c'est un être bizarre. La religion chrétienne vient pour dire, Dieu il compatit avec l'homme. Dieu il est un avec l'homme, dans sa dimension de Dieu, parce que il a sa responsabilité puisqu'il a créé l'homme. Donc il a la responsabilité d'éduquer, de sauver. Il a la responsabilité de s'occuper de l'homme. Donc quand il voit l'homme en détresse, il prend cette forme humaine pour que l'homme captons son message. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ces derniers temps, où l'évangile est en train de faire mal, où l'évangile est en pleine croissance, c'est dans les zones arabes. La preuve en est que le prince du Qatar est devenu chrétien et dit les prêts pour mourir pour sa foi en Jésus. Attends, tu crois qu'on est à l'église quoi? On n'est pas à l'église, on n'est pas dans une kermesse. Tu es en train d'échanger un nous ici. Donc tu parles plus en avance. Chacun a son caractère dans lequel il s'exprime. Jésus dit, c'est pas lui qui a décidé de venir, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, faut arrêter de dire Dieu est venu lui-même là-bas. Et Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Propre, c'est ce que je confirme. Donc Dieu n'est pas venu de lui-même. Qui n'est pas venu de lui-même? Toi, tu as dit Dieu a pris quoi, il est venu, non? Dieu devait sauver l'humanité. Donc il a pris quoi et puis il est venu? Il a pris un corps humain. Mais... c'est pourquoi Jésus dit, il parle à des personnes intelligentes pour leur dire que Dieu... il n'est pas venu de lui-même, puisque Jésus, il est l'expression de l'eau. Il est celui qui a obéi à Dieu. Donc, il devait subir cela. Et tout ça, les yeux. Mais bien sûr, c'est ce qui fait la différence. Parce que Dieu, ce n'est pas un être bizarre. D'accord. C'est quelqu'un qui se révèle à nous. D'accord. Merci. On peut prier. D'accord. Et puis le sentir. Le Dieu de l'Ancien Testament, là, est Jésus. Le Dieu de l'Ancien Testament, Jésus est la révélation parfaite de Dieu. C'est pas ma question. Le Dieu de l'Ancien Testament, est-ce que c'est Jésus? Vous dit oui. Oh, c'est Jésus quoi? Jésus. D'accord. Maintenant, le Dieu de l'Ancien Testament, il dit dans Exode 33, verset 20, que l'homme ne peut pas le voir et puis il va vivre. C'est vrai? Ah, c'est là. Est-ce que c'est vrai? Vous entrez dans la dimension puissante de la Bible. Merci. Donc, est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Donc quand tu vois Dieu, tu vas mourir. Tu dois mourir. Quand tu vois Dieu, tu dois mourir. Oui. Est-ce que les gens ont vu Jésus? Les gens ont vu Jésus. Maintenant, les gens l'ont vu, non? Oui. Maintenant, quand ils l'ont vu, la terre est mort.
Non, bien sûr. Ou bien? Oui. Voilà, on va prendre Jean 9, 17. Non, non, il a dit quelque chose. Non, moi, je ne suis pas venu faire du coq à l'âne. Moi, je voulais essayer quelque chose. Jean 9, 17 non, avec toi. On va vérifier quelque chose. Il a dit quelque chose. Bon, ok. Il a dit quelque chose. Voilà. Ok, vas-y, j'ai dit quelque chose. Il a dit quelque chose qui est important. Vas-y. Tu as dit oui. Que la Bible dit dans Exode 33, verset 20, l'homme ne peut pas voir Dieu et puis il va vivre. Oui. Il y a eu deux grandes époques. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. C'est même Dieu là, non? Écoute. Donc Dieu a changé. Dieu ne peut jamais changer. Donc c'est même Dieu là. Immuable. Donc c'est même Dieu là. Écoute, voilà où tu as le problème, je t'explique. D'accord. Jésus est la grâce. Et qu'est-ce qui c'est la grâce? La grâce est une faveur imméritée, c'est une faveur que Dieu nous donne. Maintenant, qui est la loi? La loi, c'est pas Jésus. Jésus est venu accomplir la loi en lui. Qui a donné la loi là? C'est pas Jésus. C'est Dieu qui a donné la loi. C'est pas Jésus. Non, écoute. Je veux savoir. Non. C'est pas Jésus. Hein. La loi, Jésus, c'est pas ce que tu veux atteindre. L'objectif qu'on veut atteindre là. C'est Jésus, non? Ah oui. Elle a dit que Jésus est Dieu. Moi, je te demande, lui qui a donné la loi, là, c'est qui? Est-ce que moi, j'étais arrêté quand tu faisais ton... Mais tu ne réponds pas au fait. Mais comment je peux répondre? Maintenant, le Dieu de l'Ancien Testament, là, est-ce que c'est Jésus? Comment je peux répondre si tu m'entrecoupes? Comment je peux répondre? Jésus est cette grâce-là. Par Jésus, on accède au Père. Dieu nous fait la faveur. C'est Dieu lui-même qui nous fait la faveur. Dieu a pris une forme corporelle en Jésus. Donc il nous fait la grâce. Tous les principes que Dieu avait établis là. Voilà, Jésus est venu déchirer ce voile-là. On accède à Dieu. D'accord. Comme on veut. D'accord. Voilà. On a compris, merci beaucoup. On va prendre une prochaine question. Quoi. Une prochaine voilà, question. Comme il y a quelqu'un. Je peux toujours répondre. Non, tu peux écouter. Voilà, le frère qui veut poser question, il est où? Qui veut? Oui. On va échanger. S'il y a quelqu'un qui veut se convertir, il est le bienvenu. On est venu vous appeler à la vérité, à la lumière. Vous-même, ça se passe devant vous. Beaucoup nous ont suivis derrière les réseaux sociaux. À la facilité, on est ici aujourd'hui. Écoutez, vous allez voir. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, papa. Bon, j'ai une proclamation. Merci. Pourquoi vous priez l'islam là? Il faut forcément parler l'arabe. Voilà. Vous priez l'islam, pourquoi il faut forcément prier arabe? Ok, merci. Le papa, il pose une très belle question. Il trouve que les musulmans, quand ils prient en arabe. Il y a d'autres même qui viennent souvent nous dire, attends, vous les musulmans, quand vous priez en arabe. Donc Allah, il comprend arabe seulement quoi? Non, Allah ne comprend pas arabe seulement. Allah comprend toutes les langues. Parce que c'est lui-même qui a créé les langues. Allah, il nous dit dans le Coran, sourate 14, verset 4, sourate Ibrahim. André, toi, tu trembles. Non, je ah, il dit là. Je suis pas un habitué de. Ah, ok, ok. T'as vu. Donc, Allah il nous dit dans le Coran. Attends, donnez-le une chaise, pardonne. Donnez-le une chaise. Ça va passer, il n'est pas habitué. Voilà, il n'est pas habitué, mais il a au moins, il a eu courage, il est rentré. Voilà, faut t'asseoir, c'est mieux. Peut-être tu vas comprendre au travers de nous. Ok. Sourate 14, verset 4. Allah il nous dit dans le Coran. Il a envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. C'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus, ils avaient leur langue à eux. Eux tous, ils n'étaient pas arabes. Moïse, par exemple, il est venu, il était hébreu. Mais c'est même Dieu qui a envoyé Moïse. Donc on ne va pas dire que Dieu, il est hébreu, non. Il a envoyé beaucoup de prophètes avec des différentes langues. Allah nous dit dans le Coran, sourate 30, verset 22. Il dit, parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les merveilles d'Allah, il dit, il y a la création des cieux et de la terre. Il y a la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Vos idiomes, c'est les langues. La variété de vos langues et de vos couleurs. Allah dit, il y a cela des signes pour des savants. Ça, c'est le Coran qui le dit. Donc, quand on prie en langue arabe, cette prière-là, ça nous unit. Tu comprends?
ça nous unit. Par exemple, je prends deux musulmans tout de suite, ils vont prier dans la mosquée tout à l'heure, même quand l'imam se trompe là, tout le monde sait. Alors que toi, par exemple, si moi et toi, tout de suite, on quitte ici, on va en Chine, par exemple, si toi, tu arrives là-bas, là, tout ce qu'ils vont dire, tu ne vas pas comprendre. Mais moi, si j'arrive, automatiquement, je vais comprendre ce qu'il dit. Voilà. Ça fait un premier point, Ça fait un premier point. Je viens aussi, j'ai dit, on arrive en Chine. D'accord. Alors, les Chinois là-bas. Uh-huh. Hmm? Moi, je ne comprends pas le chinois. D'accord. Donc, quand je rentre à l'église chinoise, je prie en quelle langue? Toi, quoi? Oui. Non, si toi, tu es arrivé là-bas, là, dans l'église comme cela chinois, là, il faut que toi, tu parles en français. Plus que c'est français, tu comprends. Tu as parlé en français, ils vont chercher un interprète. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend français et puis comprend chinois. Peut-être lui-même va mentir, on ne sait pas. Toi, tu as dit par exemple, je vous remercie les frères. Lui va dire, on dit Jésus est Dieu. Personne ne comprend où. Il va mêler tout le monde là-bas. Tu vois? Or, nous, pour nous, là, la langue, là, elle nous unit. Et la Bible même a dit dans Séphonie qu'il y a un moment, Dieu dit, va donner à tout le peuple là une langue commune pour adorer Dieu. Au début de la création, là, je viens, on avait une seule langue, non? On avait une seule langue. Maintenant, pourquoi Dieu a départagé? Il dit, ça fait partie de lui, ses signes. C'est lui qui a voulu faire ça comme cela. C'est comme par exemple, il y a beaucoup de couleurs qui sont là. Il y a des clairs, il y a des noirs, il y a des blancs, tout ça, non? C'est Dieu qui a voulu pour montrer sa puissance, c'est tout. Il dit, ça fait partie de ses signes. Maintenant, quand il a envoyé le dernier prophète, lui, il s'appelle Mohammed, alayhissalam, sa langue là, c'était l'arabe. Et lui, il a été envoyé à l'univers. Donc quand on prie là, ça nous unit. Faut prendre tous les musulmans du monde entier, ils ont la même manière de prier Dieu. Faut prendre tous les chrétiens, ils n'ont pas la même manière de prier Dieu. Pourquoi? Jésus a eu un seul message, non? Mais pourquoi eux tous, ils n'adorent pas Dieu de même manière? Il y a problème. Tous les chrétiens, par exemple, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, chacun a traduit comme il veut. Tu avais lu là? Lui là, il est plus beaucoup que ceux qui sont ici là. Toutes ces Bibles, c'est quelqu'un qui est vrai. Parce qu'il n'y a pas original quelque part. Ça là, il n'y a pas original. Donc chacun se lève, il écrit pour lui. Or le Coran là, il y a l'arabe à côté, il y a le français à côté. Si on se trompe si français là, on s'en va dans l'arabe. Or pour vous là, il n'y en a pas. Donc tu peux te niarami seulement et puis tu t'en vas en bouche sans t'en rendre compte. Donc la langue, elle nous unit, frère. Quand les musulmans prient là, c'est pour les unir. L'imam se trompe tout de suite, on est là comme ça. Même si on dit tous les musulmans, on n'a qu'à réciter la fatia tout de suite là. Tu as vu nous tous là. C'est la même chose. On va faire un exemple, les frères. Attends, on va faire un exemple, tu vas voir. Non, on va faire la fatia. Non, faut pas m'envoyer là-bas. Je ne suis pas venu convaincre. Non, je sais. Tu veux comprendre, non? Non, attends. Même à l'église catholique, on dit. Il a compris. Ne me trompe pas, mon vieux. Faut pas m'interrompre. Non. Je dis. Faut pas m'interrompre. Je vais nous comprendre, non? Oui, mais moi aussi, vous. Mais là, aujourd'hui, là, à l'église catholique, là, quand on dit notre père qui est aux cieux, là, tout le monde a dit ça. Même. Merci. Donc, faut nous écouter maintenant. On arrive. On arrive. Non, on arrive. Tu vas voir. Tous les musulmans vont réciter la fatia ensemble. Qui a belle voix, là? Faut venir ici. Allez, viens ici. Attaque-lui! Vous-même, vous allez voir. Hein. Tous les musulmans, on va répéter ensemble la fatia avec le frère. Allons-y. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم التكبير ثم التكبير pardonnez il y avait 5 chrétiens on va rentrer ici pardonnez 5 chrétiens pardonnez 5 allez ça va dire c'est chrétien non. Merci. Pardonnez 5 chrétiens. Allez, ça va arriver, on va rentrer ici. Yalaba, vous avez un devoir religion. Hey, mon frère, allons, toi tu es chrétien, moi je suis chrétien. On n'a qu'à prier. Oussa, viens prier en groupe. Viens, viens. Lui va prier en groupe. Attends, prie en secret. J'ai prié en secret, je comprends. Voilà, tu comprends français, non? Je comprends français. Voilà, vous devez prier. Et puis lui prie en quoi? En groupe, c'est que lui comprend aussi. C'est que lui comprend. Voilà, donc allez-y, priez vous. C'est une chorale depuis bébé, si tu comprends pas ça, c'est que vous avez fait là, c'est une chorale,
on a compris. Donc, on va prier ensemble. C'est grave. C'est le désordre. Donc la langue, elle nous unit. Quand on a récité Fatia, comme tu as vu, non? On a fait la théorie et puis on a fait la pratique. C'est clair. Puisque si on te disait comme cela, tu n'allais pas comprendre. Donc on a fait la pratique pour te montrer. La langue là, elle nous unit. Toi par exemple, est-ce que Jésus parlait français? Il parlait pas français, non? D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Jésus. Oui. Il est Dieu pour moi. Il est Dieu pour toi. On est arrivé là-bas encore. Mais tu as vu ce que le frère a fait là? Tu as vu? Oui. Hein? Tu as vu? Et puis tu dis Jésus est Dieu encore. Oui, il a dit Jésus est Dieu. Ah, vous faites comment même? On fait comment, comment? D'accord. D'accord. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit: oh, la vie éternelle. Parce que nous tous, on est là ici, là. C'est à cause du paradis, on est là. Hein. Tout le monde veut aller au paradis. Jésus a dit: oh, la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est le paradis. Il dit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu? Bon, selon moi, Jésus est Dieu parce que c'est ce que mon frère avait commencé là. Uh-huh. Il disait que Dieu avait besoin d'une forme humaine pour venir se révéler aux hommes. D'accord. Parce qu'il a dit dans une de ses paroles que celui qui va le voir mourra. Oui. Bon, comme il ne peut pas venir lui-même, uh-huh, il choisit quelqu'un en qui il s'intègre pour venir se révéler à l'humanité. Donc Dieu est rentré dans Jésus pour venir. Voilà. D'accord. Donc Jésus c'est le corps, d'accord. Dieu c'est l'esprit. Mais le corps là n'est pas Dieu. Non, le corps là c'est pas Dieu. Oh. Maintenant quand Jésus était dans le ventre de Marie là, est-ce qu'il avait l'esprit? Il avait l'esprit. Donc Dieu était dans le ventre de Marie. Dieu était dans le ventre de Marie. Il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. C'est Dieu qui a permis à Marie de tomber enceinte de Donc Jésus. Donc Dieu a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Dieu a fait 9 mois. C'est 9 mois, c'est un. Jésus a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Non, ne m'interromps pas. Un humain a besoin de 9 mois pour pouvoir coucher. Oui. Tu vois, non? Uh-huh. Donc Dieu a permis que ça soit 9 mois et puis Jésus. Non. Quand Jésus était, il faisait 9 mois dans le ventre de Marie là. L'esprit là était à lui, non? L'esprit était toujours à lui. Donc Dieu était à lui. Dieu était à lui. Donc Dieu c'est un esprit, il peut être partout. Voilà, donc Dieu a fait 9 mois. Dieu peut être partout, il peut être ici. De la manière, on est à Jonathan, Dieu aussi a boivé, il a gagné, il a la côté, il est partout. Mais donc, les 9 mois qu'il a fait dans le ventre de Marie, là, il a fait ça dans le ventre de Marie pendant qu'il est avec nous tous. Non, mais Jésus, lui, il était dans le ventre, non? Est-ce qu'il était partout? Non, c'est pas Jésus. Mais toi, tu as dit Jésus. Jésus, c'est le corps que Dieu a choisi pour venir se révéler aux hommes. Quand Dieu est dans le corps de Jésus, là, est-ce que Dieu est ailleurs? Non, il n'est pas ailleurs. Il est partout. Dieu, là, c'est comme le vent, il est partout. De la manière dont on prie ici, là, c'est comme ça va prier. Non, il n'est pas dans Jésus. Il était dedans. Est-ce que Dieu est dans moi? Dieu est dans toi, tu vois. Donc, Dieu est dans tout le monde. Je suis Dieu. Si tu réussis, il réussit. Je suis Dieu, je suis Dieu. Non. Pourquoi? Tu ne peux pas être Dieu. Mais pourquoi Dieu est dans moi? Il est dans toi? Hein? Dieu est dans toi. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je peux pas être Dieu. D'accord. Maintenant, Jésus dit dans la Bible que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est Jésus qui a dit. Toi, tu as dit ce que tu penses, non? Jésus lui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est vrai. C'est vrai. Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a qui? Dieu a envoyé le corps Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Dieu a envoyé le corps Jésus, non? Oui. Mais quand Jésus partait sur la selon vous, quand on partait le tuer là-haut, dans Luc 22, là, Jésus a dit: Père, je te remets mon esprit dans tes mains. C'est dans la main de quel Père Jésus a remis son esprit. L'esprit, quand Jésus est Dieu, mais il a remis l'esprit là dans la main d'un Père. Père. Oui, c'est quel Père ça? C'est Dieu. Il y a deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Bon, on prend Luc 6, 12. Jésus partait sur la montagne, il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Il prie Dieu. Dieu. Donc Dieu prie Dieu. L'esprit, le corps prie l'esprit. Bon, comme il a essayé, moi aussi j'ai essayé. C'est bon. Non, moi aussi j'ai essayé. C'est bon, c'est bon.
Donc, sinon c'est le corps qui prie l'esprit. Okay. Attends, voilà. mais quand Jésus priait là, il n'y avait pas esprit dans lui. Hein. Il n'y avait pas esprit. Il avait esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc il se priait lui-même. Il se priait lui-même. On a compris. Prochaine question encore. Qui va venir essayer aussi? Ouais, les gars là, c'est l'esprit. Ouais, c'est l'esprit. Ouais, papa. Papa. On va prendre le papa là, donnez-lui le micro. Ok, il faut l'envoyer le micro. Les frères, s'il y a des questions, approchez, on va essayer d'échanger. Le but là, c'est pour se comprendre. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, quant à moi, je voudrais formuler une demande, une bénédiction pour tous les frères musulmans et tous les frères chrétiens. Je prie Allah, le Seigneur du monde, qu'il ait pitié de nous, afin qu'il nous mette sur la voie de l'accès à son bonheur sublime, qui est le paradis. Bon, je voudrais poser une question. J'ai un voisin, c'est un chrétien, moi je suis musulman. Il a dit que Jésus, c'est Allah aussi. Quand on dit Jésus est Allah aussi, ça veut dire à quoi le dire? Ça risque de se brûler, on peut dire qu'il y a deux. Bon, on dit que les théologiens disent que c'est Dieu qui a créé sept cieux et sept terres. Mais Jésus, il a créé combien de ciels? Combien de terres? La question. C'est sur nos frères. C'est sur nos frères. Tu peux tourner un peu. Il y a un peu plus de gens. Le papa a posé une très belle question. D'abord, le papa il a fait des doigts pour les musulmans, en même temps les non-musulmans. Parce que parmi nous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a les féticheurs, il y a les sorciers, il y a tout le monde qui est. Mais les sorciers, là, ça va arriver, non, vous délivrez un peu. Bah, ils vont pas, c'est trop grave. Le papa dit, oui, que, ah, il y a lui, les musulmans, mais il y a un chrétien qui lui a dit que Jésus est Allah aussi. Donc, lui, Subhanallah. Le papa dit, il n'a pas compris. Non, non, le non. Le papa dit, parce que Allah, lui, l'a créé le ciel et puis la terre. Jésus, là, lui, l'a créé quoi? Rien. C'est ce qu'on avait demandé aussi. Papa, on dit, Jésus, que tu, on t'a dit, il est Allah là. On dit, c'est Marie qui a accouché Dieu. Tu vois, ça s'est passé devant vous ici. Vous voyez, Jésus n'a rien créé. Jésus, c'est une créature de Dieu. C'est Allah qui a créé Jésus de par sa parole. Allah a créé Jésus-Christ qui n'a pas de maman. Et qui, Jésus-Christ, subhanallah, Jésus-Christ qui a une mère et qui n'a pas de père. Dieu également, il a créé Adam. Adam n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Exact. Dieu a créé Ève qui a été tirée du côté de Adam. Oui. Elle n'a pas de mère également aussi. Oui. Donc c'est Allah qui a créé sa chose comme cela. Ok. Et nous maintenant, il nous a créé. Nous, on a un père et une mère. Exact. Tout ça, c'est pour montrer sa puissance. Ok. C'est pourquoi Allah, il nous dit dans le Coran, sourate 3, verset 59. Oui. Pour Allah, Jésus est comme Adam. C'est ça. Il a créé des terres. Oui. Il a dit soit et il est. Parce que pour Allah, Isa arada shay'an an yakula lahu kun fayakun fayakun. C'est comme ça Allah il crée. Donc Jésus n'est pas Allah. Psaume 33, verset 6. Jésus n'est pas Allah, mais c'est Allah qui a créé Jésus. Jésus est un prophète envoyé de Dieu. Frère, faut rentrer. Venez. S'il y a des questions, n'ayez pas honte. On est là échanger. Mais là, on va échanger. Non, c'est non, pas palable. Nous aussi, on peut se tromper. Hein. On n'est pas tous sachants. On peut se tromper. Donc, comme il... vous allez vous asseoir aussi. Bonsoir. Ok. Ah, c'est le papa gourou. C'est gourou, non? Vous êtes chrétien? Ok. Non, on est musulman. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Soyez les bienvenus dans notre forum. Ok, merci. Oui. Avant de vous laisser me poser la question, oui. Je voulais dire simplement quelque chose de très fondamental. Oui. La religion, l'homme. Oui. Cherche à tendre vers Dieu. C'est ça. Tout ce que nous devons faire, oui. C'est de comprendre l'autre, oui. Et de l'amener à aller vers Dieu. C'est ça. De par notre position extrême, oui. Nous ne pouvons pas nous assurer que l'autre est dans le faux, oui. Ou que l'autre est dans le vrai.
notre mission sur cette terre, je pense, oui, est de tout faire pour amener le maximum de l'homme ou bien des hommes à l'aide de Dieu. Exact. Donc, si je ne comprends pas ce que fait mon voisin, oui, il serait intéressant pour moi de chercher à comprendre ou bien d'ouvrir mon cœur ou bien de me laisser inspirer par Allah ou bien par Dieu afin de comprendre l'autre et d'entendre le temps de Dieu. Ça, c'est le préambule que je vais lancer, okay, avant de me prêter à vos questions. Voilà, il faudrait qu'on mette un peu bas la terre et que dans nos positions, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui cherche à comprendre Dieu, oui, on puisse nous inspirer ou bien prier Dieu, oui, le Saint, donc, prier Dieu qu'il puisse nous inspirer à tant de lui. Ok. L'idéal, ce serait ça. Ok, maintenant que je suis assis, je voulais me prêter. Bon, tu sais, comme tu es chrétien, tu sais que Jésus a dit, quand ils ont semé, le Satan est venu s'aimer l'ivraie dans le champ des blés, non? C'est-à-dire qu'ils ont mélangé la parole de Dieu. Tu sais ça? Non. Si on voit ça sur cet aspect-là, on fait hors sujet. Non, je t'ai posé une non, question. Non, je dis, oui, tu oui, me laisses pour. Quand tu me poses une question, tu me laisses répondre à la question. Bon, donc, bon, quelle est la bonne question? La première question que tu viens de poser, je vais la répondre. Oui. L'ivraie qui a été semée n'est pas pour mélanger. N'est pas pour mélanger quoi que ce soit. Dieu, il est universel, Dieu ne se mélange pas. Oui. Dieu ne se mélange pas. Qui est ton Dieu alors? Dieu ne se mélange pas. On veut tendre vers Dieu. Nous les humains, nous voulons tendre vers Dieu parce qu'il y a eu, comme tu l'as dit, l'ivraie. L'ivraie, c'est ce qui va nous éloigner de Dieu qui est l'ivraie. Mais si nous, de nos consciences, nous savons que nous avons un Dieu qui est Allah, que nous devons tendre vers lui, alors notre effort que nous devons mener, doit tendre vers Allah et non de chercher à voir les autres aspects qui vont nous éloigner de lui. Ok, merci beaucoup mon frère. Vous vous appelez déjà? Moi c'est monsieur Yapo. Yapo. Moi je m'appelle Cheikh Adam. Mm-hmm. Merci moi, beaucoup. Traoré. Moi, lui c'est mon frère Traoré. Mm-hmm. En même temps c'est mon Oussal. Mm-hmm. Donc, bien arrivé dans le forum des musulmans, mm-hmm, comme tu l'as dit, c'est ce que nous aussi on essaie de faire. Mm-hmm. On dit, tu es musulman. Si tu te limites au courant seulement là, comment tu as fait pour savoir que tu es dans la vérité? Nous qui sommes arrêtés devant vous là, oui, on n'est pas musulmans parce que nos parents sont musulmans. Hein. Oui. Nous c'est après nos études là qu'on est musulmans. D'accord. Et quand on vient, on dit par exemple, on sait qu'il y a des hommes de Dieu ici qui ne sont pas musulmans. Oui. Donc s'ils peuvent venir nous prouver par exemple que nous on est dans l'erreur, on va les suivre parce que tout le monde veut aller au paradis. Tu vois non? C'est à cause de ça on est là et c'est ce qui okay a rassemblé tous d'accord ces frères là. Je veux retirer un mot. Je veux retirer un mot de ce que tu viens de dire. D'accord. L'erreur, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Non, on n'est pas dans l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. D'accord. Dis-moi correctement. Il n'y a pas d'erreur parce que nous tous, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, nous sommes convaincus qu'il existe un être suprême qui est Dieu. Merci. Maintenant, donc, personne, excusez-moi. Personne n'est dans l'erreur. D'accord. C'est dans la pratique que comment faire pour chercher cette voie. Et c'est cette voie qui diffère. Certaines personnes ont choisi pour aller vers Dieu, ils choisissent Allah. Bien sûr, le prophète Mohammed. D'accord. D'autres ont dit non que eux, c'est le prophète Jésus. C'est Jésus. D'accord. On se dit quoi? Nous devons tendre vers un Dieu créateur qui est Dieu. Merci. C'est le sens. Nous tous, on est d'accord qu'il y a un seul créateur qui existe. Tu vois? Oui. Il y a un seul créateur qui existe. Nous, on est d'accord avec ça. Oui. Mais ce n'est pas ce même créateur-là que nous tous, on adore. Oui. Toi, par exemple, tu adores qui? Est-ce que tu adores Mohébi? Non, il n'adore pas. Tu adores Dieu? Allah. Le chrétien, il adore Dieu. Il adore mais pas lui, Jésus. Il a un chemin. Le chrétien n'adore pas Jésus. Le Dieu, écoutez-moi. Je comprends très bien. Non, ce n'est pas le fait de poser la question rapidement. C'est pas rapidement. Laissez-moi développer mon argumentation. Le chrétien, il adore Dieu. Le chrétien, il adore Dieu. Le musulman adore Dieu. Le chemin du Père. Nous, on adore Allah. Est-ce que vous allez me laisser développer? Mais ce que vous dites, ça ne t'attire pas. Écoute-moi, pardon. L'intention n'est pas bonne. Tu as parlé, s'il te plaît. Non, si vous ne me laissez pas développer, c'est que l'intention n'est pas bonne. Mais ce que vous dites, l'intention ça n'est pas. Pas bonne. Non, laissez-moi développer. L'intention n'est pas bonne. L'intention que tu es en train d'annuler est de
montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et non, l'intention qui doit nous animer tous en tant qu'humains, c'est de savoir sur cette terre qu'il y a un être suprême. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Dieu. Il s'appelle comment? Qui est Dieu? Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Qui est Dieu? Dieu, là, ça veut dire sujet d'adoration. Quand bon, tu adores quelque chose, bon, ça, s'il te plaît, calme-toi. C'est nos sujets. Dis, tu vas prendre cours. Ça, c'est nos découvertes. Ça, c'est nos. Je ne suis pas venu par coup. Non. Je veux qu'on soit clair. Écoute, ton objectif, c'est quoi? On parle pour que les gens comprennent. C'est quoi, s'il te plaît? C'est pour écouter. Non. Regarde, on va te mettre dehors. Bon, on est là. C'est parce que si tu ne veux pas écouter, on te met dehors. Non. Faut écouter. Non. Tu es venu dans un forum. Va passer une personne. On doit adorer Dieu. Oui. On doit adorer Dieu. Nous, on est d'accord. Mais le Dieu qu'on doit adorer là, c'est qui? C'est ça. Il ne s'agit pas de Dieu, on doit adorer Dieu. Dieu n'est pas Dieu. C'est trop vaste. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Qui peut venir démontrer le contraire? Ouais, on a compris, merci. Alors, ouais, il ne savait pas de quoi? Il ne savait pas de quoi? Si elle te donne, si elle te pose une question, tu vas répondre. Mais il ne s'agit pas de poser question. Est-ce que tu vas répondre? Tu es rentré poser question, non? Donne-moi le micro. Tu es rentré venu poser question, mais tu es rentré venu faire quoi? Réponds à la question. Donne-moi le micro. Tu es rentré venu poser question. Donne-moi le micro. Tu es rentré venu poser question. C'est notre forum. Non, fais donner le micro, mais de l'en bas. Faut partir. On ne donne pas. Ouais, merci. On ne donne pas. Faut partir. Faut partir. Ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est comme si là. Tu rentres, tu dis non, il y a un seul Dieu qui existe. Non, on est d'accord. Maintenant, on dit le Dieu qu'on doit adorer là. C'est qui? Tu es prêt à répondre? Tu t'appelles comment? Merci beaucoup. Viens t'asseoir. Faut t'asseoir. Donc assieds-toi. Ok, assieds-toi. Assois-toi. Faut prendre le micro encore. On va te donner une dernière chance. Si tu n'as pas répondu. Non, c'est pas question de dernière chance. C'est pas une question de chercher à voir l'ego sur l'autre. Non, non, non. On n'est pas venu. C'est toi qui as savoir que l'autre est mon père que moi. Non, c'est toi qui poses comme il a. Regarde, c'est une idée. Non, quand on vient ici, quand on parle de Dieu, non. Quand on parle de Dieu, quand on parle de Dieu, il ne s'agit pas de savoir si l'autre en bas ou bien l'autre en haut. Dieu, il est équitable. Celui qui choisit une voie pour aller vers Dieu a choisi sa voie. Il sait ce qu'il gagne dedans. Il ne s'agit pas de venir démontrer que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. Merci. Il ne s'agit pas de ça. Il t'a écouté, non. Il s'agit de Dieu. Comment on met les hommes? Il t'a écouté, non. Oui. Tu as vu de m'interrompre, non. Oui. Faut pas que tu m'interrompes. Oui. Ok. On est en train de parler là. Nous tous on sait qu'il y a un seul Dieu qui existe. Oui. Mais quand il dit on doit aller vers Dieu là, oui. Dieu là, c'est pas d'abord nom de quelqu'un. Dieu, ça veut dire objet ou sujet d'adoration. Quand tu adores quelque chose, ça devient ton Dieu. Tout de suite là, si tu adores le micro là, le micro devient mon Dieu. Mais il y a son nom. Nous musulmans là, notre Dieu il s'appelle Allah. Donc tu vois, quand il dit on doit aller vers Dieu, oui, on va te demander, on dit on est d'accord. Mais le Dieu qu'on doit aller vers lui là, il s'appelle comment? Voilà la clair. Question. J'étais clair. Donc il s'appelle comment? J'étais clair. Il s'appelle dit, comment? Dieu suprême. Mais il n'a pas de l'homme. Il n'a pas nom. De l'univers. Il n'a pas nom. Son nom, c'est. Même si les parlais de Dieu a un nom. Partout Dieu a un nom. Mais si toi tu es croyant, donc de Dieu est le créateur du monde. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Bon, il n'a pas nom. Bon, le nom, c'est le Paulé, tu as dit, c'est ça fait comment? Il s'appelle comment? Il y a plus de nom. Non, ce n'est pas des peuples qui d'accord. L'a créé. On a compris. Le nom est différent en fonction des peuples. Maintenant, nous, notre Dieu là, écoutez, oui. Nous là, oui. Notre Dieu, il s'appelle Allah. Oui. Toi, ton Dieu là, il s'appelle comment? Bon, moi, mon Dieu, il peut s'appeler Lagon. Non, il peut pas s'appeler. S'appeler. Il s'appelle comment? Moi, mon Dieu s'appelle Lagon. Mon Dieu s'appelle Lagon. D'accord. Oui. Ton Dieu s'appelle Lagon. Oui. Il n'y a pas de problème, oui. J'ai compris. Maintenant, Lagon là, il a créé quoi? Lagon a créé quoi? Vérifie à la terre. J'ai dit Dieu est universel. Non. Créateur du ciel et de la terre. Il y a t'expliquer. Il y a t'expliquer. Quand tu dis Lagon là, écoute, Lagon que tu as dit là, oui. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit dans ta langue. Dans ma langue, oui. Alors, ça veut dire Dieu, mais c'est pas le nom de quelqu'un. Quand on dit Lagon là, ça veut dire Dieu. Mais quand tu dis Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est même chose que tu as dit là. C'est ce que tu as dit. Le nom n'est pas universel. Non, c'est quand tu dis Lagon, universel. C'est il y a même des gens qui demandent à tous les musulmans, les dieux savent comment ils vont là. Oui, même mais si là, tu as demandé à tous les bêtés, ils vont te dire que les dieux s'appellent Lagon. Tous les bêtés, non. Oui. D'accord. Tous les bêtés vont dire que les dieux s'appellent Lagon, non. Oui. Mais c'est pas le même Lagon, ils adorent. Non, Lagon, c'est la diversité. La diversité religieuse. La diversité religieuse. Dieu est unique. C'est le croyant. Musulman comme chrétien, c'est quoi un seul Dieu? Est-ce que tu es chrétien? Dieu créateur. Est-ce que tu es chrétien? Je te dis, c'est tu as mis le départ de Jésus. Non, il n'a. Tu as peur de ça quoi? Non, c'est ça. Non. Mais il y a Mohamed, est-ce que Mohamed est Dieu? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un prophète. Ah. Maintenant, pourquoi quand tu demandes pour Jésus, tu te fâches?
Non, laissez-moi dire. D'accord. Je suis compliqué. Donc, d'accord. Donc, Mohamed n'est pas Dieu. Nous, en tant que musulmans, tous les musulmans du monde entier, les dieux, ils s'appellent Allah. Oui. Mohamed n'est pas Dieu. Oui. Jésus-Christ, c'est un prophète. Même, il est mentionné même dans la Bible et dans le Coran. Nous, en tant que musulmans, si on ne croit pas en Jésus, si on ne veut pas aller au paradis. Sourate 2, verset 136. Sourate 3, verset 84. Musulmans croient en Jésus. Maintenant, toi, tu as dit ton Dieu, il s'appelle Lagos. Oui. D'accord. Tu es chrétien. Oui. C'est quel prophète qui a dit que Dieu s'appelle Lagos? C'est quel prophète qui a dit que Dieu s'appelle Lagos? Ça fait le parler. Moi, il peut répondre. Oui. Les musulmans disent que leur prophète là, c'est Mohamed. C'est pas ça la question. C'est quel Dieu? Non, laisse-moi répondre. On ne peut pas répondre à une question brutalement. La réponse vient progressivement. C'est pas ça. Écoute, ça, c'est, la, c'est faible ça. Laisse-moi répondre. Tu as posé une question, tu me laisses répondre. Je vais pas développer pour répondre. Le chrétien catholique, le chrétien tout court, quand il dit chrétien, c'est plus de Christ. Ils disent quoi? Que Dieu suprême existe. Jésus est un Dieu pour le chrétien. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il dit que Jésus était chrétien? C'est si tu comprends. Attends, faut pas dire Jésus était chrétien. Jésus, il dit Jésus était Dieu. Alors, Jésus est Dieu. Pourquoi le chrétien dit Jésus est Dieu? Pourquoi? Lui, toi, tu ne sais pas. Donc, si tu expliques, faut pas aller contre. Et rapidement, faut expliquer. Prends ton temps pour écouter. D'accord. Donc, faut expliquer. Il dit, en s'appuyant sur la Bible qu'il a, il prend comme le boussole, la boussole de sa vie. Il dit que Jésus, dans la Bible, dit, Dieu a dit. Mais Jésus a dit que le Père et moi, nous sommes un. Si le chrétien s'appuie sur ça, si le Père et Jésus sont un, puisqu'il s'appuie sur la Bible, alors, il ne s'agit pas de soulever pour venir. Il ne s'agit pas de chercher à contredire. Il faut écouter seulement. Si le gars ne gagne rien en étant chrétien, il va quitter. D'accord. Si les gens, tous ceux qui sont chrétiens sont morts, qu'il n'y a pas un seul qui est parti au paradis, c'est qu'ils ont perdu leur vie pour rien. Donc les féticheurs là, eux aussi, c'est ont perdu leur vie aussi, comme ils gagnent quelque chose dans le fétiche là, ils n'ont pas donc, en étant chrétien, la religion dit quoi? De la Bible dit quoi? Que le Père et moi, nous sommes un. C'est dans la Bible. D'accord. Et la Bible est un livre saint. D'accord. Moi, un homme alpha, je ne connais rien de la vie. Mais si je me lève et que je me dis chrétien et qu'il y a cette phrase-là dans la Bible qui est un livre saint, je m'appuie dessus que le Père et moi nous sommes un, je suis, d'accord. Pour moi, Jésus est un Dieu. Merci beaucoup. Et ça, je sais ce qu'il gagne après Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, s'il vous plaît, il dit, c'est quel prophète qui t'a dit que Dieu s'appelle Lagos? C'est ça la question? Ou bien prophète? Voilà. Jésus est venu d'adorer le nom de son Dieu. Mohamed nous dit, vous êtes musulmans, votre Dieu c'est Allah. Donc c'est quel prophète qui t'a dit Dieu s'appelle Lagos? C'est ça qu'on t'a posé la question. Réponse, non, c'est pas la réponse. Ok, il y en a pas où. Tu veux forcément que je dise quelque chose, c'est que tu as dit non, Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire que dans la question qu'on pose, c'est sous-entendu. Prophète, les questions, s'il vous plaît. Le frère, il est déjà savoir aux gens que Jésus n'est pas Dieu. Mais je veux savoir que Jésus est Dieu. Non. Si le Père et moi, nous sommes un. D'accord. C'est dans la Bible. On va t'expliquer. Le Père et moi, nous sommes un. C'est dans la Bible. On va le chrétien catholique, ça puisse la Bible, c'est le livre saint. Merci. C'est que cette phrase-là, sur le suffice, totalement. Tu es catholique. Oui. Merci. Vous voyez le frère là, au fait, les liens gamés. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce côté-là. Mais ici, on rentre là. C'est 15 ans, tu vois. Non, il n'y a rien. Tu es catholique, non? Il n'y a rien. Attends, tu es catholique. Je peux rentrer partout. Merci. Tu es catholique. Oui, oui. Ok. Sainte Marie. Calme-toi. Non, il n'y a rien. Sainte Marie. Non, oui. Sainte Marie. Oui. Continue. Sainte Marie. Non, tu me dis. Mais le Dieu. Sainte Marie. Je ne développe pas. Oh, c'est mon gars. Il faut terminer. Sainte Marie. Faut terminer. C'est notre frère. Faut terminer. C'est posé dans le ventre de la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, son ventre est le temple du Saint-Esprit. Attends, Jésus est Dieu ou bien il est un Dieu?
Il est Dieu. Alors, ça veut dire qu'il est un Dieu. Dieu. Voilà. Donc, je lui est Dieu. Dieu. D'accord. Ouais. Donc, aux catholiques là-bas, c'est ce qu'on t'enseigne quoi? Non, si tu veux bien poser des questions, tu poses bien. Ok, d'accord. Donc, si tu veux dire ça, ça te merci. Merci. Donc, Marie, elle a accouché Dieu, c'est ça? Bien sûr. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Donc, Dieu a une maman. Bien sûr. La maman de Dieu, elle s'appelle comment? Vous savez, moi, il ne s'agit pas de rire. Hein. Je vous dis toujours. Parce que quand tu ris, tu as l'impression que tu te moques. Non. Ceux qui rient de cette manière-là, écoutez. On ne se moque pas, on veut aller au paradis. Nous quand tous. On ne comprend pas quelque chose, on cherche à comprendre. Merci. Parce que tu as l'impression. Donc écoutez, que, il va nous donner le nom de la maman de Dieu là. Je vous le dis clairement. La maman de Dieu. Quand on est hors d'une maison, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la maison. Merci beaucoup. Comme vous voulez dans la maison. Tu me laisses répondre, mais tu ne me laisses pas répondre. Celui qui est hors de la maison ne peut pas connaître la maison que celui qui est dans la maison. Vas-y, monsieur Yapo. Si tu veux comprendre ce qui se passe dans la maison de l'autre, oui, monsieur Yapo. Il faut lui poser la question tout doucement et puis de façon à être disposé à comprendre la maison. Mais si tu as une idée, Calais, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. C'est pas faux. Tous ceux qui sont là-bas ne peuvent pas aller en enfer. Il y a des gens qui sont là-bas, ils sont des saints. D'accord. Maintenant, si on cherche à comprendre ce qui se passe de l'autre côté, on a compris. Pour pouvoir améliorer notre vie pour aller bien Dieu. On a compris. Mais si on se dit qu'ils sont tous perdants, ils sont tous morts, ils sont tous hors sujet, c'est zéro. D'accord. Maintenant, la maman de Dieu, elle s'appelle comment? La maman de Dieu, elle s'appelle comment? Je te dis, il ne s'agit pas de poser la question de cette manière. Si vous posez la question de cette manière, vous écoutez bien. Si vous posez la question de cette manière, si vous posez la question de cette manière, ça veut dire que vous êtes venu ici pour démontrer aux hommes que Jésus n'est pas Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Non, mais il n'y a pas Dieu. Écoutez bien, vous êtes venu, avant de venir, vous n'êtes pas venu pour comprendre. Hein? Est-ce que Jésus est Dieu? Quand on vient, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre. Jésus est Dieu et il nous a donné. Voilà, maintenant, comme il est Dieu là. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Toi, tu dis les dieux. Jésus est Dieu. Merci. Maintenant, toi, tu dis les dieux. Nous, on dit les prophètes. Donc, on échange maintenant pour voir de qui de nous deux a raison. Donc, c'est simple. La question pour que les gens puissent comprendre. La question que tu viens poser. D'accord. La question que tu viens me poser. Ah, tu dis Jésus est Dieu. Oui. En fait, pourquoi tu dis Jésus est Dieu? Non. Non, 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 non. Tu dis Jésus est Dieu, je veux comprendre pourquoi tu dis Jésus est Dieu. Bon, toi, celui qui est en face de toi, il va dire, ah mon frère, si moi je dis que Jésus est Dieu, voilà, voilà, voilà. D'accord. Mais si toi tu dis, non, toi Jésus, comme ça, quoi. Ça veut dire qu'en venant ici, tu as déjà une idée, déjà arrêté. Pourquoi Jésus est Dieu? Voilà, c'est la vraie des questions. Okay. Et quand on pose ces questions, j'ai bien répondu, Jésus est Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, là, dans le verset, là, il y a combien de personnes? Vous savez, moi, on ne sait pas. Non, donc tu veux comprendre. Il y a pas de comprendre. Pour pouvoir comprendre, c'est, vous voyez, la religion musulmane diffère un peu de la religion catholique. C'est pas bon. Sur plusieurs aspects. D'accord. Ouais, non, moi, en temps normal, ce soir-là, je ne devrais pas venir m'asseoir ici pour vous poser des questions sans que j'ai un mandat du curé. Sans que j'ai le mandat du curé. D'accord. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas venir dire. Tu n'as pas prévu parce que je ne maîtrise pas tout. En tout cas. Mais il y a des voix plus autorisées. Mais comme je suis venu, j'ai senti le besoin. Tu dois parler. J'ai senti le besoin de venir. Oui. Ça va pouvoir être venu. Donc, moi, entre musulmans et chrétiens, il n'y a pas de. Non, on est des frères. Voilà. Il faut que le musulman. Demain, si on te voit là même là, voilà. On est le musulman comprend le chrétien et que le chrétien comprend le musulman. Merci beaucoup. Et puis, ensemble, on peut vivre ensemble. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas ensemble. Oui. Voilà, ouais, non. Donc, on doit chercher à comprendre ce qui fait qu'on n'est pas ensemble. Merci beaucoup. Développer. C'est ce qu'on veut comprendre. Voilà. D'accord. Voilà, donc, on y va maintenant. J'ai senti la bonne question. Non, donc, on y va maintenant. Pas à comprendre. Non, on cherche à comprendre. Que... On cherche à comprendre. Voilà, voilà. Donc, quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, voilà. Il y a combien de personnes dans le verset? Non, quand il dit Jésus et moi. Quand je dis Jésus et moi, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Moi et le Père, voilà, nous sommes un. Donc, ça veut dire qu'il appelle pas deux liens. Donc, il y a deux personnes. Ça fait deux seulement. Il y a qui est mais en dehors de ces deux, il y a un autre. Quand tu vas à l'église catholique, on va t'expliquer la Sainte Trinité. Ils sont trois. Ils sont trois. D'accord. Ça, c'est. Quand tu vas partir au côté, que tu vas chercher à comprendre, quand tu vas dans la disposition pour comprendre, ils vont t'expliquer. La Trinité, là, ils sont même chez Lina. J'ai dit, quand tu vas venir, quand tu sais, je sais. Quand tu vas parler comme ça, tu ne veux pas. Il faut être disposé à comprendre. Dans la Trinité, là, tu savais, Dieu, il est quoi? Dans la Trinité, oui. Les trois, ils sont même bien, non? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont même chose. Voilà. Il n'y a pas un qui dépasse son Père. Ça, c'est l'Église catholique. C'est ce qui fonde l'Église catholique. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est le fondement. On ne peut pas expliquer ça Dieu comme ça. Ok. Vous aussi, tu dois comprendre. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas un qui dépasse son âme. Ils sont tous même chose.
Est-ce qu'ils sont même chose? Quand on dit cette trinité, ça dit quoi? Ça veut dire les trois sont même chose. Une personne en toi. Donc ils sont même chose. Une personne en toi. Donc ils sont même chose. Donc si tu veux pas découper les questions de cette manière. Tu veux pas comprendre, mais tu veux comprendre. Tu veux comprendre? Donc si tu veux comprendre, hein, il faut. Par exemple, on vous dit dans la trinité. Non, faut pas. Parce qu'il y a l'impression que les musulmans se mettent bon. En dehors. On va la prendre. Cette trinité, c'est une personne, une seule personne. En toi. Bon, ok, moi on t'a compris. En Dieu le Père. Oui. En Dieu le Fils. Oui. En Dieu l'Esprit. Oui. Ça, c'est le fondement de l'Église. Ok. Bon, on a juste compris ce qu'il a dit. Il est venu te montrer que Jésus est Dieu. Voilà. Pour vous, les chrétiens, moi, je voulais venir à un appel. Comme tu as dit que Jésus est chrétien, là. Moi, bon, je voulais savoir. Jésus est Dieu. Ah, Jésus est Dieu. Maintenant, toi, tu es chrétien. C'est ça, non? Est-ce que Jésus est chrétien? Le chrétien, c'est celui qui épouse les vertus de Dieu. Du Christ. Voilà, de Jésus. De Jésus. Le chrétien, c'est un petit Christ. C'est-à-dire qu'il se reconnaît en Jésus. Il se conforme. Oui. Il se moule en Jésus. En Jésus. Ouais. Maintenant, si Jésus vient demain dimanche là-haut, il va aller dans quelle église derrière ces petits Christ-là? Parce que chez les musulmans, il y a plusieurs églises. Non. Il y a plusieurs choses mosquées. Il y a une seule mosquée. Il y a plusieurs mosquées. Il y a une seule mosquée. Il y a plusieurs prophètes. Non, il y a un seul prophète. Il y a combien de. Pourquoi il y a plusieurs choses, entités? Pourquoi il y a plusieurs entités? Il n'y a pas d'entité chez les musulmans. Si, il y a plusieurs. Oui, donne. Plusieurs, il y a plusieurs entités. Donne un. Parce que quand le jour, la fête qui est passée là, oui. Ici là, les musulmans qui sont venus prier, ça n'était pas nombreux. Oui. Les adultes qui étaient avec eux, il y a plusieurs noms de mosquées ici. On se connaît ici. Ils étaient venus ici comme ici. Il y a plusieurs exemples. Mais pourquoi vous n'hésitez pas ici? Pourquoi vous n'hésitez pas ici? Les musulmans ne font pas l'unanimité. Pourquoi il y a plusieurs imams, Tu sais pourquoi il y a plusieurs mosquées, plusieurs imams, tout ça? Non, moi, c'est pas. Ok. Il y a plusieurs mosquées. Tu vois, le quartier, par exemple, c'est grand. Le quartier, il est grand. Oui. C'est un village, c'est très grand. Oui. Donc, il y a une mosquée quelque part ici. Peut-être qu'il y a une autre mosquée ici. Oui. Là. Ah, mosquée ici. Oui. Bon, il y a mosquée ici. Oui. Peut-être même qu'il y a l'autre mosquée là-bas encore. Oui. Parce que le quartier, il est grand. Oui. Tu vois, c'est à cause de ça, ils ont fait ça. Ah, maintenant, je viens, je t'explique. D'accord. Maintenant, hors pour vous là. Et puis tous les musulmans, si je suis musulman, d'accord, par exemple, si l'heure de prière me trouve là-bas, là, oui, je prie là-bas. D'accord. Si ça me trouve ici, là, d'accord, je prie ici. D'accord. Toi, tu ne peux pas aller prier dans l'église. Ok, attends. Je réponds ça d'abord. Je réponds ça à ça d'abord. Vous savez ce qu'on appelle l'universalité de Jésus. Moi, mon église catholique, hein, d'accord. La messe, ce que l'on appelle messe, là. Quand vous partez chez nous à l'église catholique, le texte qu'on lit le dimanche, à Lopakouté, à Zenoula, partout en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, le texte qu'on lit, c'est le même texte qu'on lit partout dans le monde. C'est différent de chez vous. C'est dans tous les. C'est différent maintenant, de chez vous. Maintenant, ce que tu as dit là, le texte que tu as dit là, oui, c'est dans les églises catholiques ou c'est dans toutes les églises qu'on lit? Moi, je parle de l'église catholique. Maintenant, les évangéliques là. Je suis pas venu. D'accord, maintenant, les évangéliques vont comment? Je parle pour les autres. Ah. Je dis ce que moi je fais. Ma question là, c'est vous la musulmane. Je suis là-bas, moi je suis là-bas, avant j'étais là-bas. Ce qu'on lit là-bas, c'est différent d'ailleurs. Vous n'avez pas l'universalité. On a compris. Voilà. Mais demain dimanche, là, il va aller dans quelle église? Qui ça? Jésus. Mais c'est que ce n'est pas Dieu. À ce moment-là, Jésus n'est pas dit qu'il va aller à l'église. Jésus est Dieu, Jésus ne va pas dans l'église. Jésus est dans ton cœur. Non, parce qu'il a dit tout à l'heure. Jésus est dans le cœur de celui-là. C'est-à-dire que le texte qu'ils vont lire dans l'église catholique là. Il t'a parlé d'église protestante. Oui. Il t'a parlé d'assemblée de Dieu. Oui. Il t'a parlé d'église. Moi, il parle de l'église catholique. Voilà, mais. Donc, attends, les bains là, ils ne sont pas de Jésus aussi. Quand ils vont venir, ils vont te répondre. Moi, je suis venu. Je te dis. À ta vie. Voilà. Je m'attends. Voilà. Non, on a besoin d'une prochaine question. Venez, on va échanger. C'est bon, merci. Monsieur Yapo, vraiment, je suis ravi de faire ta connaissance. Vraiment, merci pour ton courage. Vous voyez, chers parents, chère population de Zenoula, il est très bon d'être musulman. Mon bien-aimé. Musulman, il n'y a pas de division. Tous les musulmans ici, là, le musulman chinois, il est très bon d'être chrétien. Il est très bon d'être chrétien, je vous le dis ce soir. Voilà. Jésus n'était pas chrétien, et puis il n'est pas chrétien. En tout cas, Calan donne la bonne compréhension. S'il y a une prochaine personne, on va essayer. On va essayer aussi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Eh. Ouais, non. Vous voyez comment c'est compliqué? C'est trop compliqué, wallahi. Donc, chers parents, chers population. S'il y a des personnes qui sont musulmans, nous sommes venus vous parler de l'islam.
Le musulman gourou, s'il va en Chine, il va dire Allah, Akbar, Allah, Akbar. Automatiquement, il sait qu'on est en train de l'appeler. C'est ce qu'on a dit là. Le chrétien, lui qui était assis là tout à l'heure, là, s'il va en Chine, il ne peut pas prier parce que là-bas, là, les Chinois, les gens, les Chines. J'ai dit, nous là, actuellement, si moi je suis musulman, je vais ici. Quand il est l'heure de la prière, je vais prier ici. Je vais prier. Si ça me trouve ici là, je vais prier ici. Oui. Lui, il n'a pas qu'à les parties de l'église évangélique. C'est pas bon. Il n'a pas qu'à. C'est ça non? Si les parties vont et puis, sortir encore. S'il quitte Abidjan, dans l'église qui fréquente Abidjan là, s'il vient, il n'y a pas l'église à jeune là ici, dimanche là, il ne prie plus. Ou bien? Alors que nous, les musulmans là, n'importe où tu vas te trouver, tu pries seulement. Tu pries seulement. Quand tu allumes la télévision, même la film américaine, quand tu dis Allah Akbar, tu dis qu'ils sont en train d'appeler les musulmans. Parce que les musulmans, nous formons une seule communauté. Donc, chers parents, chère population, l'islam n'est pas une religion désordonnée. Si vous êtes chrétien, Jésus n'est pas chrétien. Il a dit ici. Mais vous suivez Jésus, il va dans quelle église? Il ne peut pas répondre. Il dit Jésus est venu pour l'humanité. On va lui demander, il va nous donner le verset. Mais il y a un verset dans la Bible, moi je voulais lire. Mais comme il est parti, j'attends la prochaine question, ça va venir. Et ça va se savoir. La vérité là, on n'impose pas, mais la vérité s'impose. Donc chers parents, chère population, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Le véritable Dieu s'appelle Allah. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. Le véritable nom de Dieu, c'est Allah. Moi, mon nom, c'est Oumar. Lui, c'est un nom. C'est Heuré. Lui, c'est Adam. Lui, chacun a un différent, chacun a son nom. Mais Allah a un seul nom, parce qu'il est unique. C'est comme que chacun de nous, là, on a un seul numéro de téléphone. Toute la Côte d'Ivoire, là, moi, mon numéro, c'est le 08-01-02. Si tu lances mon numéro net là, c'est sûr moi seul, ça va sonner. Ou bien, donc Allah il est unique. Il n'y a pas deux Allah. Donc chers parents, chers population, quand selon eux, Jésus était sur la croix, il a dit le nom de son Dieu. Jésus dit en arméen, Allah, Allah, lama sabataini. Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46 à 47. Jésus dit son Dieu s'appelle Allah, Allah. Un Dieu qui a Dieu, ça c'est vrai Dieu ça. J'ai dit Jésus enfant dans la Bible, ils ont crié oh. On a même dit Jean 3:16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. On dit qui est Dieu, il dit Jésus. Son fils unique c'est Jésus. Donc Jésus est un Dieu, un fils, c'est pas ça? Donc chers parents, chers population, la seule religion que tous les prophètes ont enseigné là, c'est l'islam. Quand Jésus Père et bénédiction sur lui, quand il priait, dans Matthieu 11, 25, il dit Père, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Jésus est Dieu et puis il loue Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut se prier lui-même? Non. Chers parents, l'islam est tellement ordonné, c'est une religion que c'est Dieu-même qui a envoyé la religion. Et Dieu-même va nous donner les règles de sa religion. Dieu va nous donner comment il faut l'adorer. Le mois de Ramadan, tous les musulmans au monde, on est unanime, on a géré un seul mois de Ramadan. Il y a un seul mois du pèlerinage chez les musulmans. Actuellement, aujourd'hui, à 23h, le dernier vol ivoirien étatique prend son envol. Et vous en islam. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le musulman, le Dieu étant unique, on a une seule mosquée, on a une seule direction, on prie Dieu dans la langue de nos prophètes pour se reconnaître. Tu n'es pas d'accord de quoi, mon frère? Oui? Je n'ai pas de micro. C'est à cause d'un micro. Ouais, ouais, ça va. Ok. Habitué au micro, à l'église, il y a tellement de micros. La manipulation, c'est un secret pour nous. Oui, vas-y, frère. Voilà. Bon, soyons réalistes. Hein. La religion où il y a plus... pas d'accord de quoi? Ah oui, attends. Ah oui. La religion la plus divisée, c'est la religion musulmane. D'accord. D'accord. Il y a d'autres, vous êtes d'accord avec moi, vous les musulmans, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des musulmans qui n'acceptent pas la manière de manifester des Aïdara. Là, vous êtes d'accord. Même les Wahhabias, c'est vrai, vous priez dans les mêmes mosquées. Mais vous êtes divisés entre vous. Voilà ce secte-là, islamique, pas vraiment vrai. Les djihadistes. Les djihadistes, ils viennent dans une zone musulmane.
ils exercent des actions. Au nom de qui eux, ils disent que eux, ils prient vrai islam par rapport à vous. Il y a une femme ivoirienne qui était au nom de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Colia. Colia. La pauvre femme qui était beaucoup de gens. Les convois qui se multiplient à Zona. Il y a d'autres nanas qui ont fait du bien ici parmi vous. Vous pouvez les interroger. Mais ils l'ont arrêté. C'est-à-dire, ne venez pas ici pour dire que vous êtes unis. D'accord. Maintenant, Aïdara là. Les musulmans sont pas. Oui. Les musulmans là. Aïdara là. Il y a des musulmans qui disent que lui il est dans le faux. D'accord. Les Wahhabis là. Il y a des musulmans qui disent que les Wahhabis sont dans le faux. On a compris. Les djihadistes disent. Vous là, vous êtes dans le faux. Merci. Maintenant, d'accord, on a compris. Non, s'il vous plaît, laissez. Vous ne l'avez pas arrêté. Non, laissez les frères. Vous ne l'avez pas arrêté. Laissez, s'il vous plaît. Écoutez. Il faut écouter très bien. C'est les chrétiens là. Ouais, là, celui là, il y a les femmes pasteurs. Non, faut écouter. Attends, une minute. Vous te démentez d'abord pour dire que c'est que tu as dit la tienne. Tu es un gros menteur pour dire quoi. Écoute-moi, faut te calmer. Non. Il faut te calmer. Non, c'est faux. Moi, je suis un trahiste. Non, c'est faux. Moi, je suis disciple d'Aïdra à Gouitafla. Je suis le représentant d'Aïdra à Gouitafla. Je n'ai pas quelqu'un qui le fait. Lui n'est pas Aïdra. Oh. Nous sommes frères, on forme même communauté. On a dit que tu es menteur. Nous, on voit ça ici. On a compris. Maintenant, faut écouter. Pardon, faut écouter. Regarde. Ils sont là. Regarde, ils sont là. Ils savent ça très bien. Faut écouter. Si tu n'écoutes pas, regarde ici. Regarde. Faut parler. Moi, là. Écoute, s'il te plaît. Regarde, moi j'aime quand quelqu'un rentre, on se respecte, on parle, et puis il sort. Si, pas ici, là. Si tu rentres, tu veux faire bizarre. Nous, on te met dehors, et puis ça va pas qu'il va. T'as compris? Ok. Écoute ici, nous en tant que musulmans là, en tant que musulmans, c'est Wahhabiao, c'est Chiito, c'est Aïdarao, les dieux les églises. Oui. Quand vous parlez de Allah, d'accord, donc eux tous les dieux c'est Allah. Non, pas eux, il faut du nous. Nous tous, notre dieu c'est Allah. D'accord, maintenant tous les chrétiens là, les dieux les églises. Notre dieu, nous les chrétiens là. Oui. C'est Jésus, il y a des chrétiens ici. D'accord. Il y a des chrétiens ici. D'accord. Les témoins de Jéhovah et vous direz pourquoi vous n'êtes pas chrétien. S'il te plaît, nous on est chrétiens, il y a des chrétiens ici. D'accord. Maintenant, faut écouter. Les témoins de Jéhovah là. Attends, les témoins de Jéhovah là. Les témoins de Jéhovah, eux disent Jésus n'est pas Dieu. On va comment? Les témoins de Jéhovah, ils croient en Jésus. Ils disent qu'il n'est pas Dieu. Ils croient en Jésus. Ils disent qu'il n'est pas Dieu. Donne-nous le texte qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Le passage. Toi, tu ne connais pas témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, qui ne les connaît pas? Eux disent Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah, moi, je ne connais pas les doctrines. Tu vois, non? Moi, je ne connais pas les doctrines. D'accord, maintenant, toi, tu es chrétien évangélique, non? Je suis chrétien évangélique. Le frère, elle est catholique. Toi, tu peux aller prier dans l'église catholique. Bien sûr! D'accord. Lui dit Marie est la maman de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Il dit Marie est la maman de Dieu. La Marie est vraiment la maman de Dieu. Elle d'accord. Est la mère. Le catholique. Moi je suis évangélique. Évangélique et catholique. On est d'accord que Marie est la mère adoptive de Jésus. Merci. C'est français. Au CPA là. Non, ils ont des dictionnaires, non? Ils ont des dictionnaires. Non, dans franco-arabe là, il y a dictionnaire là-bas. Donc Marie a adopté Jésus. Adoptive là, ça veut dire quoi? Donc Marie a adopté Jésus. Attends. Écoute ici, s'il te plaît. Marie a adopté Jésus. Il faut l'aider. Je te demande, est-ce que Marie a adopté Jésus? Elle a adopté Jésus. Comment? Elle a adopté Jésus. Comment? C'est qui vous? Non, attends, elle a adopté Jésus comment? Elle a adopté Jésus. Comment? Non, c'est pas le donné baissé. Elle a adopté Jésus comment? Adopté, je dis quoi? Adopter, c'est prendre un enfant pour faire de ça ton enfant. Marie a adopté. Tu n'es pas obligé de. Donc tu peux prendre. Comme on peut te donner. Mais de toute façon, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant biologique. D'accord, donc Marie, son enfant biologique, c'est pas Jésus. C'est pas son enfant biologique. Pardon.
Attendez. Tout attendez. Vous voyez, en bas de ma slamon. Nika est en ma force la main. Agnès la main, il y a une galon. Agnès la main, il y a une caisse. Voilà, bilaye. Moron, moron. Nima, qu'est-ce la main, c'est de l'Algérie. Il y a des filles, Marie était là, elle allait me lui en prison. Une femme qui met son enfant au monde, toi tu dis c'est pas son enfant. Chacun. Ah, mon frère. Non. Là, on a compris. On a compris. Merci. En tout cas, Calan donne la bonne compréhension. Donc, chers parents, s'il y a des frères qui veulent devenir musulmans, c'est le moment. Pardonnez, cherchez à connaître votre religion. Le musulman, c'est quelqu'un qui est très bien averti. N'importe quel musulman, tu vas lui poser question, ton Dieu, c'est Muhammad, c'est Allah. C'est Allah, tout ton prophète, c'est Muhammad. Quel est ton livre? C'est le Coran. Voici vos Bibles ici, c'est verset, c'est waouh. Nous tous, on a la même manière de prier Dieu. Nous, on a combien de Bibles ici? On a la même manière la de prier Dieu. La Bible éthiopienne, ça fait 81 livres. La Bible catholique, 73. La Bible samaritaine, 7 livres. La Bible Louis II, 66 livres. Alors le Coran, ça fait 114 chouradrons. De Bispatia à Koula Ouzou Bilabinas. Voici la première. Et puis ça fait 6666 versets. C'est le même Coran qu'en Chine. C'est le même Coran qu'en Zunna ici. C'est le même Coran qui est jusqu'en Eriefla. C'est le même Coran qui est jusqu'en Poro. C'est le même Coran qui est Abidjan. Donc, chers parents, vous voyez le musulman, on n'a pas deux livres, nous on a un seul livre. Les frères, voilà, il devenait musulman. Voici le livre ici. Il peut l'islam pas est doux, hein? L'islam est trop doux. Et ce livre-là, ce que lui-là dit là, c'est différent de ça là. Ce que ça là dit là, c'est différent de ça. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce livre. Quand il dit non, la Bible est livre de Dieu. La Bible là, ça a été envoyé à quel prophète? On sait que Dieu a donné Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, Matthieu 9, 9. Jésus se promenait dans la rue d'Israël et puis il prêchait l'évangile et non la Bible. Tu peux pas montrer le nom. La Bible a fait qu'un prophète qui a envoyé. Donc, chers parents, le Coran a été révélé au prophète Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam pour avertir l'univers. Tu vas rentrer maintenant. Lui, il ne peut plus. On va prendre quelqu'un. Non, tu ne peux plus, tu ne peux plus, mon frère. T'as compris ça? Non, tu vas. Je dis. Donc, chers parents. Merci. Chers parents. Question. Les musulmans. Il y a un frère qui veut poser une question. Oui? Donc moi je suis d'accord avec ce monsieur. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Ça va un peu? Oui ça va. On ne demande pas qui est d'accord avec qui, tu vois non? Vous êtes rentré, vous vous appelez déjà? Je m'appelle Kwasi. Kwasi? Ouais. Moi je m'appelle Cheikh Adam. Mon frère s'appelle Oussas Traoré Oumar. Oui. Maintenant quelle est votre question? Bon, moi je voulais venir sur leur partie où ils ont dit, comment on appelle, Jésus est Dieu. D'accord. Jésus n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Attends, attends. Qui a dit Jésus est Dieu là? Il est où? Non, il y a un qui a dit Jésus est Dieu. Viens, viens. Pardon, viens. Viens, viens. Jésus, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, écoutez, écoutez. Mais selon ma pensée, Jésus est l'envoyé de Dieu. J'arrive, j'arrive. On va vous donner deux minutes. Vous allez faire débat en haut. Deux minutes. Non, vous m'appelez dans un caractère très ridicule. Très ridicule. Il dit Jésus n'est pas Dieu. On suppose que. Il dit Jésus n'est pas Dieu. On suppose que vous êtes des éclaireurs. Il dit Jésus n'est pas Dieu. On suppose que vous êtes des éclaireurs. Et vous orientez votre débat dans cet angle-là, ça montre ici l'oisivité. Ok, merci. Donc, comme il ne veut pas répondre, c'est ça. Au fait. Moi j'ai dit tout à l'heure que tous les chrétiens ne croient pas que Jésus est Dieu. Il dit c'est faux. Tu es chrétien non? Bon, moi je vais à l'église mais seulement ici au niveau. Je ne connais pas la Bible trop. Et donc, selon ma pensée un peu, je vais vous d'abord. Ok, merci beaucoup. Maintenant comme tu es nouveau, oui. Toi on peut te récupérer facilement. Par exemple ceux-là. On ne peut pas me récupérer facilement. D'accord. On va te récupérer facilement tout de suite là. Oui. Par exemple ceux-là. Eux ils sont déjà dedans, ça fait beaucoup d'années comme ça. Donc quand tu viens dire là, même s'ils voient là, ils refusent. C'est ça le problème en fait. Maintenant toi, tu dis que tu es nouveau chrétien, non? Oui. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, quelle est ta question?
Je vais toujours sur la partie où ils ont dit Jésus est Dieu. D'accord. Jésus n'est pas Dieu, selon ma pensée. D'accord. Jésus est l'envoyé de Dieu. D'accord. Puisque, bon, sur terre, il y avait les gens qui n'étaient pas d'accord avec le Dieu. Parce qu'on a fait beaucoup de religions. Il y a Dieu qui disait, jamais vous étiez comme. Vous priez Allah. Allah, oui. Allah, c'est votre langue. Vous appelez Dieu Allah. D'accord. Moi, dans ma langue aussi, de la main, il a dit la gola. Moi, je suis un peu de Jésus. D'accord. Donc, c'est même Dieu. Mais le Père dit que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Parce que les gens sur terre ne voulaient pas être d'accord sur le même voie. Donc il a envoyé quelqu'un. Il a dit on ne peut pas le voir. Celui qui le voit, il va mourir. Donc il est passé par quelqu'un. C'est-à-dire, Marie, quand on dit Marie, elle a, comment appelle, mère de Dieu là. Oui. Jésus est venu en esprit. Elle c'est la mère de Dieu, non? Elle est la mère de Jésus. Ah, ok. Voilà. Il dit c'est pas sa maman, hein. Il dit c'est pas sa maman. Jésus est la maman de Marie. Non, il dit Marie. Marie là, son enfant, c'est pas Jésus. Lui, il a dit ça. C'est l'enfant de. Comment on l'appelle Marie. Jésus est l'enfant de Marie. Marie est la mère de Jésus. Il dit c'est pas vrai. Non. Ah, ok. Jésus est la mère de. Jésus est la mère de Marie. Ok, donc. Mais pourquoi il a dit qu'on appelle Jésus, il était adopté. C'est-à-dire, Marie, elle n'est pas accouchée avec quelqu'un. C'est-à-dire, voilà. Elle n'est pas sortie avec quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est venu comme ça pour dire à Marie, je vais te donner un enfant, tu parleras de moi. C'est-à-dire qu'il va venir sur moi, qui va me faire l'évangile de moi. Donc c'est pour ça qu'il a dit que Jésus a été adopté. Parce qu'il n'a pas de père. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est adopté. D'accord. Sinon, Marie est le, comment on appelle, la maman de Jésus. D'accord. Mais Jésus n'est pas Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. D'accord. C'est Jésus qui l'envoie sur terre pour venir passer ce message. Merci. Au fait, lui, il est venu pour apporter une éclaircissement, en fait. C'est ce que le frère a dit. Donc si je comprends très bien, Marie, son enfant, c'est Jésus. Oui. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Oui. C'est ce que nous on dit. Depuis on est là, c'est ce qu'on est en train de dire. On dit Jésus a été envoyé par Dieu. Et toi tu viens, tu es en train de nous rejoindre. Maintenant, non, je vous rejoins, mais vous avez dit non, votre Dieu c'est Allah. Allah, là, c'est votre langue, vous êtes. On arrive. Allah là. Ce qui vous trompe, vous pensez que Allah ça veut dire Dieu. Allah ça ne veut pas dire Dieu. Oui. Allah là, ça ne veut pas dire Dieu. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Par exemple, dans ta langue, toi tu parles quelle langue? Bon, je comprends la langue, gros. C'est un gourou. C'est oui. Bali. Bali. Voilà, Bali. C'est, c'est Dieu, non? Oui. Ok. Nyamien. C'est Dieu aussi, non? C'est Dieu. Lago. C'est Dieu aussi, non? Dieu. Zeu. C'est Dieu aussi. C'est Dieu. Voilà. Tout ça là, c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, Dieu là, il y a son nom. Tu vois, non? Mais quand on dit Dieu, c'est quelque chose qu'on adore, qu'on appelle Dieu. Si tout de suite là, moi, j'adore. Bon, ça là, par exemple là. C'est mon Dieu qui est là, c'est mon Bali qui est là. Ou bien. Oui. Quand quelqu'un il est là par exemple et puis il adore les idoles, tu connais les idoles non? Je le connais. Il va en brousse et puis il coupe bois, il vient et puis il adore là. C'est son Bali non? Oui. Mais Bali là il y a son nom. Ou bien ça, oui. Donc toi ton Bali là il est comment? Moi mon Bali c'est-à-dire c'est un Christ. Bon. C'est qui? Il est Christ. C'est que je suis dans, je peux dire Bali, mais on dit Bali là. Personne ne connaît son nom. Son nom que vous avez dit en turc, en langue, Alala. C'est ça, nous on dit aussi Bali. Bali, tout, c'est-à-dire, ça on ne peut pas expliquer même. Oh. On ne peut pas expliquer. Attends, donc si on comprend. Parce que lui que tu l'adores là, tu ne le connais pas. Hein? Lui que je l'adore, je le connais. C'est qui? C'est Jésus, j'adore. Mais Jésus, comme il est l'envoyé de Dieu, donc c'est pour ça que j'adore Jésus. Parce que Jésus est venu pour me faire comprendre que notre Dieu existe. Donc nous tous on est sur la même voie. Donc tu adores Jésus. Même là. Oui. Tu adores Jésus. J'adore Jésus. Tu sais que selon la Bible, on ne doit pas adorer un être humain, non? Puisque il a dit que non, quelqu'un est passé par lui pour venir me dire que non, il existe vraiment, donc je l'adore. Donc si Moïse, si Dieu passe par Moïse comme c'est là pour nous parler, donc on doit adorer Moïse. Moïse, c'est un prophète. Donc on doit l'adorer. On ne doit pas l'adorer, on doit le suivre. Et Jésus, c'est pas un prophète. Jésus, c'est un prophète. On doit l'adorer, on doit le suivre. Mais Jésus, c'est-à-dire lui n'a pas de père. C'est un truc qui est venu comme ça, d'accord. Il est quitté. Mais quand? Bon, c'est un esprit. Jésus est un esprit. C'est un homme. Jésus est un esprit. C'est un homme. Non. C'est un esprit. C'est un homme. Pourquoi quand il est parti sur la croix, il a disparu pour aller? Jésus, c'est un homme. Jésus n'est pas un homme. Est-ce qu'on peut attraper un esprit? On ne peut pas attraper un esprit. C'est ça qu'ils ont attrapé Jésus. Mais Jésus. Attends, est-ce qu'ils ont attrapé Jésus? Ils ont attrapé Jésus. Donc ils ont attrapé un esprit. Ils ont attrapé un esprit. Ils ont attrapé un esprit. Lui, tu peux décider. Il peut dire, tu peux l'attraper, mais tu peux pas aussi le toucher. Ouais, tu viens de dire. Attends, il faut regarder ici. Attends, d'avoir quelque chose. Je t'ai dit.
Mais allez, tu es un stylo là, tu prends les normes. Tu as un stylo, il n'y a pas de but, tu dois rester. Les gens sont là, ils sont que. Non, mais il y a des gens qui s'agitent à la main, ils veulent. Ok, il va lire Jean chapitre 8, verset 40, on va voir. On dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. À me faire mourir. Donc, en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Continue. Moi. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Attends, je vais tu vois pas? Vous savez, vous l'aider un peu. Il va t'aider, il va mettre la main, tu vas lire. Vous savez, vous mettre la main, il va lire. Mais en réalité, au verset 40 là. Faut lire. Moi, Rité. S'il vous plaît, calmez-vous, il y a des gens. Écoutez, s'il vous plaît, on va lire ensemble. Non, ça, il n'est pas dit là-bas là. Jean 8, 40 là. Vas-y. Oui, on finit avec lui, on va le prendre l'autre. Jean 8, verset 40. Oui, moi qui entends qu'être humain, oui, vous y êtes dit la vérité. Ok, frère, Jésus dit qu'il est un être humain. Est-ce que c'est vrai? Jésus dit qu'il est un être humain. Il a dit ici, Jean 8, 40. La Bible est là. Chacun, c'est-à-dire, chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Ah! Maintenant, c'est comme si. Attaque-lui! Ce qu'il veut déjà. Et lui, dans la Bible, tout le monde dit ce qu'il veut. Donc, c'est grave. Voilà. Quand la Bible est la bonne compréhension. La Bible est là, il y a beaucoup de gens qui sont venus maintenant. Bon, voilà, il y a des gens qui viennent maintenant qui créent. En tout cas, c'est pas nous, on a dit. Voilà, c'est pas nous, on a dit. On prend quelqu'un d'autre aussi. Non, on prend quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un d'autre, merci. Maintenant frère, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Toi où tu es là, qu'est-ce qui t'empêche de devenir? Je sais déjà que nous tous on adore le même Dieu. Nous on n'adore pas Jésus. Vous adorez un Dieu? Oui, Allah. Allah, oui, c'est lui qui a mais créé. Mais votre Allah il est où? D'accord. Vous le voyez comment? D'accord. Allah on ne peut pas le voir, c'est lui qui s'est révélé à Moïse, c'est lui qui s'est révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit on ne peut pas le voir, mais en même temps lui nous voit nous tous. Tu comprends non? Ça c'est le véritable Dieu, parce que tout ce qu'on peut voir n'est pas Dieu. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le comprendre. Ça, c'est le véritable Dieu. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne se repose pas, il ne se fatigue pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu comprends? Donc, on est en train de t'inviter à adorer celui qui a créé le ciel et puis la terre. Est-ce que tu es prêt à l'adorer? Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Non. Ah, ok. D'accord. Je ne suis pas prêt à devenir musulman. Merci. Donc, on va prendre une autre personne. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. C'est ça on veut, l'honnêteté, on échange, pour se comprendre et tout ça. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Bonsoir frère. Bonsoir chef frère. Tu n'as pas tremblé hein? Ah ok. Comment tu vas? Oui ça va bien. Merci. À qui ai-je l'honneur? Bon moi c'est Fofana. Fofana? Ouais. Fofana, ah, d'accord. Ok. Fofana, vous dites la suite là-bas. Ah. Faut de la dire là-bas. Fofana. Fofana Namori. Frida. D'accord. Fofana Namori. Oui, Frida. Ok, d'accord. D'accord. Ton nom là, ça fait façon. D'accord. Mais c'est que je peux poser ta question là-bas. Ok, je ne suis pas là pour un débat, mais j'aimerais poser. Il y a deux préoccupations faites. La première est la suivante. J'aimerais savoir quel est l'objectif de celle du CAN. Voilà. Maintenant, la deuxième question dépendra de la réponse de la première. Quel est l'objectif de celle du CAN? D'accord. On est là ici parce qu'en tant qu'être humain, nous tous, on aspire à une divinité qui a tout créé, tout. Et raison pour laquelle nous, en tant que musulmans, on a étudié d'autres religions, c'est parce qu'ils ont touché la Bible qu'on est dans la Bible. Hein. Sinon, même s'ils touchent autre religion, on va rentrer dedans. Si quelqu'un rentre, par exemple, il touche le bouddhisme, tu vas voir, on va rentrer dedans. Peu importe la religion que tu vas rentrer dedans, nous, on est avec toi. C'est pas Bible seulement, on s'est limité à ça. Ok. Donc, quand on est là, on sait qu'il y a un seul Dieu qui existe, qui a tout créé. Et c'est lui qui nous a envoyé ses prophètes. Donc nous on appelle les êtres humains à s'orienter vers ce Dieu qui a créé tout et se détourner de toute adoration, c'est-à-dire des créatures. Voilà ce pourquoi nous on est venus ici. On est en train de dire que tous les prophètes qui sont venus croyer en un seul Dieu, on doit croire en ce Dieu-là. On est en train de dire que la religion que Dieu a donnée à l'être humain, ça s'appelle l'islam. C'est ce qu'on est venu dire.
Donc maintenant, on vous écoute. Ok, donc la deuxième préoccupation. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont abordé le christianisme. Oui. Voilà, que vous êtes rentré dans ce débat-là. D'accord. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que musulmans et chrétiens, je pense que même si il y a une divergence au niveau même de la pratique religieuse, mais au moins, les deux parlent au moins de Dieu. Alors, moi, ce que je remarque, pourquoi ne pas orienter le débat, c'est-à-dire pourquoi ne pas faire une évangélisation pour amener les gens à pratiquer l'islam, par exemple. Pourquoi toujours des débats entre musulmans et chrétiens? C'est ce que je ne comprends pas, c'est ce que j'aimerais comprendre. Merci beaucoup. Ouais. Tu sais, chrétien puis musulman, c'est comme grand frère puis petit frère. On se chicote et puis après on est ensemble, tu vois. Voilà, c'est comme cela. Ça veut dire qu'on est des frères, hein. C'est pas qu'on se déteste dans le fond. En réalité, on s'aime. Et quand tu aimes quelqu'un, il faudrait que tu arrives à pouvoir lui dire la vérité. La vérité que tu vois, c'est comme une douche. Quand tu rentres dedans dans ta chambre, après tu es habitué. C'est comme cela. Tu vois? Donc quand on dit, au début, ça te choque. Mais après, là, tu es d'accord avec ça. Par exemple, est-ce que tu es chrétien? Bon, il va pas. Tu as vu? Je sais que tu es chrétien. Wilfried, qui est sur ton nom là, il a déjà compris. Non, je viens. Ouais. Donc tu vois, actuellement, on est en train d'inviter les êtres humains à s'orienter vers le véritable Dieu. Maintenant, quand on vient, par exemple, pour échanger, tu vas voir qu'il y a nos frères qui sont chrétiens qui sont là. Eux aussi, ils croient en Dieu. Mais Dieu qui croit là, ce n'est pas le même Dieu que nous, on adore. Parce que nous tous, on sait qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais ce n'est pas ce même Dieu-là que nous tous, on adore. Ça, on est clair. Il y a un seul Dieu qui est là. Mais ce n'est pas lui seul que tout le monde adore. Sinon, il y a des gens qui adorent des statues. Il y a d'autres qui adorent des rivières. Tu n'as pas me dit que tous les adorent même divinité. Mais en réalité, il y a un seul Dieu qui est là. Et quand on vient, par exemple, on appelle tout le monde à venir poser des questions sur des incompréhensions. Maintenant, ça va dépendre de ta question qu'on va te donner la réponse. Si tu as posé une question qui est biblique, on te répondait la Bible. Tu as posé une question coranique, on te répondait le Coran. Tu as posé, ça dépend de ta question, on te donne ta réponse. Même si tu viens de façon intellectuelle, tu poses une question qui n'a rien à voir avec ça. Si on peut te répondre, on va te répondre. On ne s'est pas limité seulement à la Bible et au Coran. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'actuellement, on est dans un monde qui a vraiment évolué. On est en 2022. Tu comprends? Donc en 2022, là, tout le monde a évolué. Donc il faut essayer de venir expliquer aux gens ce qu'ils vont comprendre pour pouvoir acquérir le paradis. Nous tous, on veut aller au paradis. Mais on ne s'assoit pas pour aller au paradis. D'abord, la clé du paradis, il faut croire en un seul Dieu, l'adorer sans rien lui associer, tu as la clé du paradis. Le reste là maintenant, ça vient. Mais aujourd'hui, les gens se sont détournés de ça et se sont basés sur des critères qui sont élémentaires. Alors que le plus important, c'est le véritable Dieu. Si tu as raté ça là, frère, si tu veux, il faut être le plus gentil du quartier, si tu meurs là, c'est grave. Selon la Bible, selon le Coran. Donc maintenant, toi, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Je vais céder le micro. Oh, tu es musulman. Tu as compris. C'est un musulman, laisse. Et les musulmans, quand ils donnent la bonne compréhension, vous voyez, quand ils rentrent dans ces genres d'esprit là-haut, qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne va pas te donner une bonne réponse? C'est vraiment, il voulait ajouter un adédé sur ce qu'il a dit. Lucas, que tu parles là, nous, on est dans un domaine de l'interreligieux. Voilà, nous faisons l'étude de la comparaison des religions. On a étudié les religions, comme je venais de le dire, et puis on a vu la vérité dans l'islam. Donc quand nous on vient d'abord pour étaler notre religion, qui est le vrai chemin que tous les messagers ont enseigné. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est le parachèvement de cette religion. Sourate 5, verset 3. Dieu lui dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Sourate 3, verset 19. Quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Voilà, sourate 3, verset 85. Quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc toutes les religions que les gens sont dedans là, Allah, Dieu dit de pas. Selon Coran, selon Bible. Il n'a pas dit religion que nous on veut, hein. Il dit religion que lui il accepte là. Religion que lui Dieu il accepte là, c'est ce qui est islam. Si on n'a pas dit, on arrive là-bas maintenant, Allah nous pose question. Vous les musulmans là, vous savez que l'islam là c'est ma religion non? Est-ce que vous avez dit aux gens? Non, il y avait peur, si il disait ça va devenir palable. Allah m'a dit, mais est-ce que tu as dit? Et puis moi, prends-toi ton fichier quoi. T'as vu tout ce livre là non? Si tu poses la question au Coran tout à l'heure, tu parles de quelle religion? Il va te dire, il parle de l'islam. Mais si tu as posé la question à la Bible, elle va te répondre. Tu poses la question à la Bible là, tu parles de quelle religion, il ne peut pas te répondre.
Il n'y a pas de nom de religion dans la Bible. Selon la Bible, musulman va au paradis. Voilà. Selon le Coran, musulman va au paradis. Mais la définition de l'islam, c'est dans la Bible. Si on prend tous les chrétiens qui sont rentrés ici, là, le seul qu'on peut dire peut-être il va aller au paradis, là, c'est lui qui est rentré dernier. Là. Mais non, il dit il adore Jésus. Non, il vient. Pourquoi il dit c'est lui? Parce que lui, il dit Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qu'il a dit. Mais il adore Jésus. Parce que dans la Bible, Jean 5, verset 24, oui. Jésus dit. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole oui. et qui croit vas-y, frère. En celui qui m'a envoyé, oui. il a la vie éternelle. Exact. Il ne vient point au jugement, oui. il est passé de la mort à la vie. Okay. Donc Jésus dit, si tu crois en ses paroles oui. et tu crois en lui qui l'a envoyé, oui. tu vas au paradis. Exact. Nous, musulmans, nous, on dit Dieu a envoyé Jésus. Chrétien dit, c'est Dieu qui est venu lui-même. Oui. Il va voir au paradis. Et puis Jésus dit par le paradis, un chef qui est parti poser la question à Jésus, Luc 18, verset 18 à 20. Il dit, bon maître, comment faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui a dit quoi? Pourquoi il a pas dit de croire. Il n'a pas dit de croire à sa mort. C'est pas possible. Il n'a pas dit, je suis venu mourir pour ton péché. Il ne peut pas dire ça. Il dit, non, ne tue point, ne commets pas adultère, ne vole point, tu ne dérobera point. Honore ton père et ta mère. Mais regardez aujourd'hui là, les groupes de choristes dans l'église là, le petit gars même est là, attends. La petite goé est là, quand elle chante même là, c'est gâté, c'est un rassemblement, le gars va derrière la petite goé à la maison, elle en est placée, elle donne son papa, elle a, est-ce qu'elle a honoré son papa? Non, la petite fille, elle a beaucoup de mères, elle a payé mes 5 000 parce qu'elle a fait ses chemises, c'est sa maman qui chipote l'eau sur sa tête, elle m'a mis dans le barrique, elle est qui s'est promenée, elle a porté, elle est sur Facebook, elle prend l'eau, elle se lave, c'est sa maman qui prépare, elle a honoré sa maman? Non. On te marie maintenant, tu ne t'es pas préparé. Ces poissons, la vraie les musulmans, devenez des musulmans exemplaires. Donc, chers parents, chère population, oui, nous sommes là, nous sommes musulmans. Nous sommes venus pour propager le message de l'islam. La seule religion que tous les prophètes ont enseigné, la seule religion que tous les livres qui sont versés sur la table ici enseignant, s'appelle l'islam. Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Je suis à la page. Allons-y, frère. Marc 10, verset 17 dit. Oui. Comme Jésus se mettait en chemin. Voici Jésus qui a pris le chemin en train d'y partir. Un homme a couru. Un homme qui court maintenant. Et se jetant à genoux devant lui. Il vient se mettre à genoux devant Jésus. Il dit, bon maître. Il pose la question à Jésus, bon maître. Lui demanda-t-il. Il demande à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Nous tous qui sommes ici, on doit faire quoi pour aller au paradis? Jésus lui dit. Jésus répond au gars. Pourquoi m'appelles-tu bon? Attends, Dieu me met en problème quoi? Pourquoi tu m'appelles bon? Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Continue. Ah, non, Jésus n'est pas Dieu. Non, c'est fini. Continue. Au verset 19. Tu connais les commandements. Jésus dit au gars, pour aller au paradis, est-ce que tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Jésus dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. On va aller tout doucement parce oui. qu'on est pressé. Tu ne commettras point d'adultère. Si on lui a soulevé ceux qui sont dans l'adultère ici là, ah, il sait que mon chien est dans tout. Hein. Ça a gâté, hein. Et il sait que personne ne va rester. Vous voyez. Aliginel la clé, général d'Ablali va aliginel la clé, maman avec général qui était dans l'aliginel pendant. Et puis ce qui est bizarre, c'est la Bible qui dit ça. Je vois des jeunes qui sont là par exemple. Lui il dit il a au moins 10 goûts, puis il dit c'est un chef. Ça veut dire toi tu es chef dans le péché. Subhanallah. Aujourd'hui ça me dit la même place. Un musulman il a prié, il dit que bien ça me dit nous on est en mettant celle qui est chap-chap. Ça veut dire toi tu as 10 goûts, et puis tu dis ouais il s'est dû. Donc toi tu es dû dans le péché. Et puis Subhanallah. La, tu sais que la Sougalo la même elle est là, si vous avez pire la petite goûte, Sougalo mais la bancho. Vous voyez. Tu ne commettras point d'adultère. Il y a des gens, eux, ils laissent leurs femmes et puis ils s'en vont payer maison pour donner à des filles encore. C'est pourquoi. Allons-y, frère. Il y a des femmes aussi qui laissent leurs maris, elles s'en vont chercher d'autres garçons encore. Elle dit, c'est à cause de quoi? Elles s'en vont dans l'ordre, mais c'est gâté là-bas. Le garçon lui donne 1000 francs et ça va au champ. La nuit, il vient, il y a poulet, il y a poisson, tout ça dans sauce, et puis il est content. Mon frère, tu n'es pas chez nous, il traîne dans la cadre là, il y a des femmes, elles ont deux mariés, elles sont mariées, puis elles sont mariées, ils entrent dans la cadre. Bon, comme vous voyez ça. C'est pas normal, les frères. Subhanallah. Jésus a dit pour aller au paradis, tu ne commettras point d'adultère. Donc, ayadabla. Sur la 60, verset 12 du Coran. Répentez-vous.
Allah nous dit dans le Coran, sourate 17, verset 32, oui. N'approchez point la fornication. Ok. Si un jeune vient, il demande ton numéro. Si c'est pas pour te marier là, faut lui dire ton numéro là, c'est 17, 32. Ne commettez point l'adultère. Oui. Je lui donne ce verset là. Ok. Ça fait un premier point. On continue. Tu ne tueras point. Jésus dit tu ne tueras point. Si on prend ça là, les femmes qui ont voté ici, là, on ne peut pas compter. Ça veut dire vous allez tuer, vous êtes des assassins, on doit vous mettre en prison même. Les docteurs, les sages-femmes, les filles des salles, tous ceux qui ont ramassé les assiettes, ils ont allé faire pilotage là. Vous tous, docteurs, oh, celui qui a écrit médicaments, oh, filles des salles, oh, vous tous, vous êtes dans le même bateau. Il y a d'autres là qui travaillent là, c'est pour sauter enfin. Eux, tu viens les voir, eux, ils enlèvent grossesse là seulement. Oui. Tu as mélangé le Nescafé et puis quoi, un tonique, tu as sauté enfin là. Tu as tué quelqu'un. Le jeune là, Allah il dit, faut pas qu'il va faire l'adultère. Tu es parti chercher la fille là. Vous avez fait enfant. Et puis tu as tué l'enfant encore. Allah il dit, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Sacrée. Parce que si tu tues quelqu'un de façon injuste, oui. Toi c'est l'enfer qui va t'accueillir. Exact. Donc repentez-vous les frères. Ok. Tu ne déroberas point. Jésus dit tu ne déroberas point. Ça veut dire que tu ne dois pas voler. Je sais que les voleurs là ici, on ne peut pas les compter. Les voleurs là, on ne peut pas les compter. C'est ça non? Lui qui a mélangé Tigadega là, avec un poudre de maïs. Ça c'est un volet. Souvent même tu appelles, ça veut dire que tu te trompes, tu fais dépôt à quelqu'un quand tu l'appelles son numéro passe plus. Il allait payer ma... il allait payer le truc dans boutique, il a donné 500 boutiques, c'est trop, il lui a donné 900. Il a couru ça, il est parti. C'est un volet. Je dis moi j'ai fait dépôt à quelqu'un, juste que le numéro ne passe pas. Ou bien. Voilà, il a fait dépôt. Il a envoyé un enfant pour aller faire dépôt, il me suis trompé, tiens. Juste que je dis le numéro de mon gars là ne passe pas. Et vous dis. Il est là où c'est pour ça, le gars qui a kemendi, il y a un 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 kemendi. Vous voyez. Donc c'est pas normal, tu ne déroberas point, tu ne dois pas voler. Parce que ici là, à ce nous là ici, si on a arrêté de voler là, vous allez voir que la population va avancer. Vite, vite même. Toi, tu es né. On t'a dit non, tu es venu pour aider le pays. Tu es devenu voleur. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des femmes même qui s'en vont demander quelque chose à leurs camarades. Toi, pour demander là, tu n'as pas oublié. Hein. Pour partir donner, tu l'as oublié. Arrêtez ça. Donc, on continue. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne dois pas dire de faux témoignages. Chériadjou. Il y a des gens là, souvent quelque chose se passe. Eux, ils sont pas là. Hein. Il dit, Wallah, il est là. Il a vu la fille et puis le jeune là dans l'obscurité passé. Il dit, c'est sa copine. Toi, tu es un menteur. Pourquoi tu mens? Et puis, ce qui est bizarre, c'est les musulmans là. Oh, Wallah, il est là. Tous les laïs là, il a dit, c'est pas lui. Ah, les frères! C'est pourquoi les non-musulmans disent, quand tu leur dis, Wallah, il faut pas t'arrêter, il va te faire courir. Tu vas, non? Tu vas, non, là. Vous voyez, c'est pas normal, les frères. Ah bon. Arrêtez, on ne doit pas faire ça. Tu ne dois pas faire des faux témoignages, c'est pas normal. Faut éviter ça. Tu n'es pas là, tu dis, tu es là. C'est ça, Goulot dit, Wallah, radio Wallah, il n'a pas vu, mais il ment seulement. RFI, on continue. RFI. Tu ne feras à personne. On dit tu ne dois pas faire du tort à personne. Or toi tu es là, tu insultes les gens seulement, tu voles les gens seulement, tu dénigres les gens seulement, tu insultes les gens seulement. C'est pas normal. Tu fais ta douche, là, l'eau sale là, ça coule, ça passe devant la maison de ton voisin. Tu dis, hey, c'est lui qui paye ma maison. Tu ouvres ton cabinet là, tu vides au côté là, ça dégage ton voisin. Tu joues musique même là, tu mets 100 degrés. En islam, comme cela, on dit quand tu prépares là, hauteur là, si ça frappe ton voisin là, faut lui donner. Donc la vieille mec qui va en rire là, faut servir là pour un frère. De gâter. Toi, tu dois servir la coule. Sur ma tapis. Mais si tu veux servir la coule là, il sait que tu n'as pas vendre aussi. Honore ton père. Honore ton père et ta mère. On dit honore ton père et ta mère. Ça fait 6 points. Parmi nous ici qui honore les pères et puis les mères. On dit Baraki Zavash, tu vas piger le coup de ici fatigué. Je te dis, c'est ça, non, Faribé Koumouna, voilà. Et puis Fadir, il fait comme ça, le Louvre, il fait 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 le Louvre. C'est pas normal, faut le dire ça encore. Après, on y en a un peu. Il est comme ça, le Louvre, il fait le Louvre, il fait le Louvre, Facebook, il fait le TikTok, Facebook, Facebook. Elles ont basé Facebook, hein. C'est TikTok. TikTok, non. Hey, comment tu? TikTok. Et c'est TikTok. Tout ce qu'elle connaît dans Facebook, là, c'est j'aime. Tout ce qu'elle voit, oh, j'aime. C'est pas beau, j'aime. C'est beau, j'aime. Tout est j'aime, j'aime ça. J'aime. Hi.
Non, sérieux, les gars, c'est de la vérité. Il y a des filles, si on les attrape, on les dépose, ils n'ont qu'à préparer. Il y a d'autres qui ne peuvent rien faire. Elle ne peut rien faire. Non, et puis, il y a des enfants même là. Ils voient leur papa venir avec bagage. Ou bien leur maman a un bagage sur la tête. C'est là, on voit une blague, frère. Ils mettent leur derrière. Subhanallah. C'est pas normal, les frères. C'est pas normal, les frères. Les jeunes là aussi, eux, ils ne veulent plus travailler. Ils s'en vont jouer au Konami. Ah. L'autre gagnant. C'est ça, l'autre gagnant. Kronosport. Bête clic. Toi, on voit un nom de jeu. On dit si tu es bête, faut cliquer. Toi, t'as pioqué. On dit bête clic. Si tu es bête, faut cliquer. Tu as pioqué. Bon, on dit demain, là, c'est 42, 53, 56 qui gagne. Bon, le gars, il vient, il dit, il a pris le numéro 2, hein, et puis il dit, c'est resté dans la machine. Tu veux que ça regarde, c'est où? À midi, il est carré là-bas. Quand ils sont dans la cabine, tu penses qu'ils sont venus faire transfert, c'est faux. C'est déposé là, c'est coupé l'autre gagnant. Et puis qui gère, c'est Mariam qui gère. Subhanallah. Qui vient jouer, c'est Solo. Amidou le voit quoi. Amidou dit Solo. C'est comment? Il dit, ah, c'est un pied qui est venu. Hein. Mais quand il dit Allah, tu as le Guinée, il dit Amin. Ah, c'est un pied qui rentre dans le Guinée. Non, Allah ne peut pas mettre ton bien danger des hasards. C'est le barra qui rentre dans le Guinée. C'est pas normal. Travailler. C'est parce qu'on est devenu paresseux qu'on est en train de faire tout ça. Tu pensais, tu t'assois comme ça un peu et puis tu as gagné des milliards. Et puis toi, tu t'appelles Madou. Tu es allé voler, cabri des gens, tu es en train de voler. Est-ce que tu es honoré? Il dit pas que tu es bon, il dit pas que tu es retien. Donc, il a conquis les sourds, il a manié. Il va nous sommes en connota. Et puis, on a dit qu'il y a des trucs. Il est venu vite à la lune qui connaît Fournier. Ouais, c'est accident. C'est accident de quoi? Massa, puis il est mort ou bien? Subhanallah. Chers parents, chères populations, c'est pourquoi nous sommes venus. Jésus dit, Jean 16, 13, quand le consolateur va venir là, il va vous enseigner les choses à venir. C'est accident, toi tu roulais comment? Oh, c'est accident. Non, c'était sur une homme bidumé. Tu roulais comment? C'est pas normal, les frères. C'est que nous devenons musulmans exemplaires. Exemplaires. Voilà, ici, si ce monde-là doit devenir musulman, c'est à cause de nous, mes frères Dula. Il faut qu'on montre l'exemple, les frères. Mes frères Dula, on a gâté le nom de l'islam. On dit que c'est nous, les musulmans. Il te dit, hein. Mais c'est nous, on est les premiers d'Amaki. C'est pas normal. Regardez chez nous, à Abidjan, comme cela. Chez nous, à Abidjan. Bien. Chez nous, à Abidjan. Quand Ramadan arrive là, on fait Maki. Ça marche pas. Même en jeûne là, ici, ça marche pas. Subhanallah, qui sont ceux qui boivent maintenant? Droit de sang, droit de marché, Dieu le bambi. Et puis nos frères qui ne sont pas musulmans, souvent ils viennent te poser des questions. Attends, mon frère, vous faites la séquence. Ils vont commencer à rayer maquis là. Subhanallah. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, Surah 5, verset 90, oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Non, mon frère, t'as dit quelque chose. Écartez-vous en afin que vous réussissez. Allahu Akbar. Les flèches dressées, les œufs de divination. Non, ma... dressées. Les femmes du là, elles vont caramoquer de l'envers. Quand les bêtes là, dès qu'on a un fruit, avec un champ pour pour lui, là, c'est direct. Souvent là. Mais rien qu'on voit sur Kolia. Un de vaou. Souvent là. Mais comme nous sommes formés, tous ceux qui sont partis à Kolia, là, sont venus à un bamba. Tu es parti là, c'est devenu grave. Mais là, il faut te répandre. Faut te repentir. Tout ça, ça a montré qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi. Voilà, ouais. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Donc on a déshonoré l'islam. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a converti beaucoup de personnes par son comportement. Ils ont demandé à la femme du prophète Aïcha, radiallahu anha. Quel était le comportement du prophète? Il a dit au monsieur, tu n'as jamais lu le Coran. Que c'était le Coran ambulant. Nous aujourd'hui là, le prophète, lui, son comportement, ça attirait les gens à l'islam. Nous, nos comportements aujourd'hui, ça cherche les gens. Souvent on nous chute, on dit on est beaucoup haram. Après on nous chute, là on dit on est terroriste. On nous chute, là on nous a nyagami. Donc on rentre dans la Guinée, on rentre dans le paradis de Dieu, comme on le dit dans le jargon, en Djoula, dans la langue locale. Nam. Qui qu'en a fla fara lagan, et qu'en a djeneyake, et qu'en a denfara, et qu'en a chouyanike, et qu'en a namara qui s'ingro, qu'en a qui bourgo, ni kira qui d'abara n'y mamna, alhamdoulilah yake, ou le bali djine la clé. Nous te maman bourrika le djine d'abougoun nous. Qui n'a pas la ilaha illa, qui nous fera rentrer au paradis. Qui est prêt à devenir musulman? Il n'a qu'à s'approcher tout à l'heure, on va tester. On va tester. Si vous ne voulez pas aller au paradis aussi, nous on ne vous oblige pas. Hein. On ne vous oblige pas à devenir musulman. Mais si vous voulez partir au paradis, vous êtes obligé de devenir musulman. Bon, mon frère, hein, verset, moi je vais lire. Comme on est en train de partir vers la fin, nous tous on va faire attention. Hein. Inch'Allah. On va prendre un verset. Comme on a des frères qui étaient venus, ils ont sauté, c'est laissé de Dieu. On va prendre Matthieu 7, verset 21 à 22 à 23. On va lire quelque chose. Et puis on va poser la question à la foule. Ils vont donner la réponse. Matthieu 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
Jésus ko mo mo ba fa le makom ma ko bete do aljina ko n'entrerai pas tous dans le royaume des cieux. Jésus le ma mi fa ave en kaya en yazambali bali au fond on la bali fouro balo. Mais celui là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. Comme mo quel peut me mena ala sawo ga ala mesa fa mi wrap du ben dina bali ki tebe wi en fi di ta wazire be bi wona fouro ba. Au verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus! Ça, c'est au jour de la résurrection. Ça, c'est au jour de la résurrection. On parle, vous êtes là, au lieu de. Et puis, Jonas, vous savez, il y a la prophète ici, non? Il y a la prophète ici, non? C'est qui l'a envoyé même? On dit, les prophètes. Oui, allons, mon frère. Alors, je leur dirai ouvertement. Ce jour-là, Jésus va vous dire ouvertement, au lieu de la liquide, Jésus, quand on a fait un mot, on a dit, Allah, Allah. Mon mouluka et je t'en prenais à l'étoile. Nous nous coquons le miracle qui a dit Jésus. Quoi, il y a mal de l'eau. Quoi, le pina fond, il y a un il va vous dire en clair, babaraba. Les chrétiens sont versés. Les musulmans sont versés. Qui sont ceux qui disent Jésus, Seigneur, Seigneur? C'est les musulmans? C'est les qui? Qui sont ceux qui disent son prophète au nom de Jésus? Qui chasse démon au nom de Jésus? Qui chasse démon au nom de Jésus? Qui fait miracle au nom de Jésus? Donc Jésus dit, je leur dirai ouvertement, oui, je ne vous ai jamais connu. Jésus a fait, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est elle qui a tué son mari. Subhanallah. Tu as dit à un enfant que sa maman est sorcière. C'est ça qui est iniquité. Ni à ma co iniquité qu'à mourir au pharaon. Et qu'à mousson à tchè pharaon. Et qu'à dena fache pharaon. C'est le péché, les frères. C'est le péché. Donc ça, c'est au jour de Jésus. Ce jour de Yom Al Jésus dit, va vous dire, il ne vous connaît même pas. Malgré que tu fais miracle à son nom, hein, malgré que tu chasses démons, pas les gens, c'est, quand tu parles, il dit, tu sais ce que Jésus a fait pour moi. Alors que Jésus dit, pour aller au paradis, Jean 17:3, mon frère. Oh, la vie éternelle. Oui. Ceux qui te connaissent. Oui. Toi. Oui. Le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acharon la ilaha illallah. Acharon Isa Rasulullah. Ça, c'est vrai. Il y a deux pays. Il y a Jésus à Balé ou en Zayan. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Flagnata, la magité, il faut aller à Isa. Tu vas au paradis. Tu vas au paradis. Aujourd'hui là, tu dois dire la ilaha illallah. Qui sont ceux qui reconnaissent que Jésus est l'envoyé de Dieu? C'est les musulmans. C'est pas faux. Qui sont ceux qui disent que Dieu est unique? C'est nous les musulmans. Et là les chrétiens, il y en a qui avaient dit Jésus n'est pas Dieu. L'autre dit Jésus est Dieu. L'autre dit Dieu, ils sont trois. L'autre a dit Dieu, ils sont trois. Il y en a qui dit Dieu, ils sont trois. Bon, ça là, c'est quel Dieu ça? Bon, on va aller voir les gens de Benjamin, on va envoyer l'hôpital là ici. Ah, oui, on est blanc sauté. Vous voulez ça? On veut ça? Non, c'est pas normal. Qu'Allah facilite les frères. Amen. Poussez un peu la réflexion. Bon, comme il se fait déjà tard, c'est notre première fois ici. Oui. Vous nous avez bien accueillis. Oui. On demande d'Allah de faciliter. Peut-être. Oui. On aura encore des secondes fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on demande aux musulmans de lever les tests. Bénédiction d'abord. Avec bénédiction. Ouais, ouais. Il y a un imam ici, non? Il y a pas un imam. Il y a pas imam. Il y a pas un sage. Donc nous on va profiter de faire une bénédiction pour toute la population de Jumna. On va demander à Allah. Ça. Bon cher parent, viens faire toi. Donc chers parents, chère population, on va demander à Allah de nous accorder la santé, de nous donner la bonne compréhension de sa religion, qu'il nous guide dans la lumière sur le chemin droit. On demande à Allah, nos enfants qui sont dans les différents classes d'examen, qui les accorde la réussite et le succès. Ceux qui vont passer le bac, vraiment qu'Allah fasse qu'il y a beaucoup d'admis cette année en bac. Ceux qui sont dans les classes d'examen, que le BPC, qui ont déjà passé le BPC, qu'Allah fasse qu'il y a beaucoup d'admis aussi.
nos jeunes soeurs, nos jeunes filles qui cherchent mari, qu'Allah donne des maris sincères, pieux et musulmans. Des maris qui vont avoir pitié d'eux. Ceux qui cherchent la santé, qu'Allah donne la santé. Ceux qui cherchent le bonheur, qu'Allah nous accorde beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce. Qu'Allah fasse que vraiment l'an 2022 se termine bien, que l'an 2023 nous retrouve. Nos parents, nos soeurs, nos mamans, nos frères qui sont allés à la Mecque, qu'Allah fasse que le séjour du pèlerinage se passe bien, qu'il nous retrouve ici en bonne santé. Vraiment, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse que nos rassemblements se retrouvent dans le paradis. Donc on va dire Allah, on va être transformé. On va dire ça en Dula. Ama yine Allah fait. Masami yanda, miye souko, abena dougsekbe, ka herek a suranga Allah mokela. La mankou n'mame Allah bourouka di, ambela djenima Allah koke. Ka ambe kana ka anke slama bre bre Allah mokela. Slama yanyen yine ne ka anoye ambe nye Allah koke. Seri fardal loni ko l'onora be anye Allah mokela. Seri tien fin ko l'onora ko l'onora ambe nye Allah mokela. Bada salam ne kabla salamu ko loni ko djambe ma Allah mokela. Djogo djougo ya mounoumba anna. An yira be maria djogo djougo ya ptolo kela. Fou etse ka bana fo Allah ko djogo ko bwana Allah mokela. La mankou n'mame Allah bourouko djama Allah moke. Des mounou ala ko karfama ka baraka dola ala mokela ko ke antabara esini ala ko ke nous nous voulons nina lon na fama ala ma diloma lon na fama ala ka dioma nous nous examen nina examen sur les nokale ka dioma ala ko ke nous ta eche ko eche salma ka dioma ala mokela salma che ala ma diloma tem me nina na ala ka dioma mais muso bu ko che ala ka kisoma muso bu ko che ala ka kisoma salma muso ala ka dama muso mi madigi no ko dama ala mokela muso manam balman be franyoka ala ko dama ala mokela demun ala ko karba ma ka hina dola ala ko ke koke am men ba ka ke ala men ba ala mokela rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar donc on kramo ke na manam micro dama bena do ke inshallah ustaz imam djugu ala eh muso djugu ala kisoma amen voilà c'est djugu para ala kisoma tous les djugu djugu la ala kisoma c'est djugu mina ala kisama c'est flakisa mina ala kisama c'est djugu mina ala kisama il y a des maris là quand mon femme te connaît c'est kish ala kan kisho luguma donc bismillah ustaz اللهم صل على محمد آمين محمد آمين اللهم صل على إبراهيم وعلى إبراهيم آمين بارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين في العالمين إنك حميد مجيد آمين أما إن ربي أنا ربك يا رب كل ما يبان بلاد ما آمين أما إن ربي كنا في عرب آمين آمين Amen. 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا آمين وعيوننا وعدنا للمتقين آمين آمين اللهم أنت ذال القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور صدورنا آمين وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا آمين وفارقنا وابتلي لنا إلينا وإلى نصر إلى آمين آمين اللهم أعطي مقابر من النار آمين اللهم أعطي مقابر من النار آمين اللهم أعطي مقابر من النار آمين. آمين. سبحان الله وبحمده أنا داخل فيه ورضا نفسي آمين. آمين. سبحان الله وبحمده أنا داخل فيه ورضا نفسي وزينة العرش ومدرك المجد. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد آمين. هديتنا آمين. آمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين. آمين. لله رب العالمين. الله قد دعوهم لا. دعوهم لا. دعوهم بالما سلموا. أنا لا يريد فويلة. أنا لا كنا يرى كوس لمياء ليشيء. أفهم في سلمياء قرآن يام بسي. أنا يانجي جاي سلمياء باركانيا. Il n'y a pas quelqu'un, c'est dans le Coran seul, c'est écrit le musulman rentre au paradis. Tout on n'a pas encore fini, vous êtes en train de partir. Peut-être bénédiction là même, c'est à la fin. Ah, mais libre, libre, Yélani. Surat 43, verset 68, on va lire. Ah, c'est même des livres, il faut qu'on ait un peu de temps. Ah, c'est même le Coran qui est le de la cause, la mort de l'homme, il faut qu'on ait un peu de temps. S'il y a ce verset dans un livre, si quelqu'un, même si la tête des diables, qu'il vient ici, ou bien tête des.
Écoutez, verset ça là, c'est ça là, nous, qui on se promène, on demande aux gens, ils n'ont qu'à faire sortir comme ça dans les livres, on voit. Soit 43, verset 68 à 70, bismillah la frère. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. N'ayez pas peur. Vous ne serez point affligés. Ils ne vont pas vous frapper, ils ne vont pas vous châtier. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient au verset du Coran. Et sont musulmans. Et puis on est musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Et puis Maïmouna en rentre au paradis. C'est là maintenant, toi tu mets rouge à lèvres, tu avais me trouver là-bas. Ok. Ce qui me fait pitié dans ça là, c'est les Tchèbana là, ils sont pas mariés. Ils sont ah, 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 on demande aux musulmans de lever l'index. Mais après, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit de lever l'index, il fait sa main petite quand il va pas dire au paradis. Papier, levez ta main. Levez la main. On va répéter après nous. Amma bonjour, père. Ashhadu. Ashhadu. Oh, pardonnez, criez en fou. Entendez, c'est cassé. Criez ça là-bas, c'est cassé. Ashhadu. Ashhadu. Raison très criée. Si c'est cassé là, demain après, j'ai quoi. Vous la vraiment Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Oui, salam alaikum maman. Oui, un petit mot. Maman. Oui. Maman, allez-vous maman. Maman. Voilà, aïe, donne une fois. Amina. Ok, merci. Oui, mami. Salam alaikum. Un petit message. Moi j'ai dit à Adi, c'est ma première fois parce que l'année passée quand ils sont venus, j'avais pas pu assister parce qu'elle t'a envoyé d'être moi à la maison. Mais comme cette année, j'espère que vous viendrez encore. Inch'Allah. J'étais enchantée de vous connaître. Inch'Allah. Vous nous suivez sur Facebook, les fils de l'islam. Oui, je n'ai pas des. Ok, d'accord. Donc, c'est les fils de l'islam sur Facebook. Je suis vraiment contente. En tout cas, il y avait vraiment l'envie de vous voir et je suis passée, je vous suis à chaque fois. Le fils de l'islam. Ouais. Ok, mashallah. Ouais. Un peu tout. C'est moi, je me lance sur ma danse. J'ai bien aimé être ici. J'ai bien aimé. Et en fait, j'ai pu voir qu'il existe une seule Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mot qui est avec ça. Et on parle toujours à Allah. Ok, merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Oui, un petit message. Bon, le message que nous j'ai, c'est de dire que non, l'islam est la meilleure des religions. Donc, Allah nous dit que c'est sur le chemin de la joie. Vraiment, nous sommes réunis. Vraiment, ce genre d'édition a attiré beaucoup de jeunes. Mais nous avons la chance, la grâce que Dieu nous a fait de nous soigner aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'attendre que demain, la lutte ne soit pas à vous seul, la lutte soit à tout le monde. Et vraiment, quand nous passer, dans la phase que notre récompense soit le paradis, nous serons allez, je vous remercie. Oui, Ousaz. Ousaz. Un petit message. Je remercie pour assister à l'action. C'est ce que tout le monde cherche dans la vie. Vraiment, c'est un truc pour nous, pour attirer les gens pour venir à l'islam. Donc, si on pouvait continuer comme cela, vraiment, ça va évoluer l'islam et ça va faire que non. Inch'Allah, je m'arrête là. Les mots le manquent.
Ok. Un message. Un message. Je suis vraiment content de vous arriver. Moi, c'est à travers les réseaux que je suis au Vietnam. C'est un frère Traoré que je le connais très bien. Alors, vraiment, je m'en occupe d'être là ce soir pour assister. Tout ce que Vietnam mène, c'est pour clarifier l'islam. Nous, on prie pour que Dieu vous mette sur la bonne structure, sur la bonne voie. Et l'islam, Allahumma amin. Inshallah. Ok. Imam, un message. Ok. Amin.